Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Hello. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais j'irai bien dormir. J'irai bien dormir. Oh là là, tu sais, tu peux me dire non hein, quand je te propose. C'est toi qui acceptes. Du coup, bah, j'espère que vous, le chat, tout va bien. Ce petit dimanche matin, on est combien, le 15 octobre? Oui. Ouais, c'est ça. On va partir comme tous les dimanches matins sur une petite partie de... On change, enfin, on essaie de trouver des gens pour Lucky Number ou... Si tu veux, c'est comme tu veux. Enfin, bon, on sera peu de personnes alors... Comme tu veux. Mais on est parti du coup sur une petite partie sur... oh, c'est bien. Hein. Bon, ça pour être en orthographe. Pépère, suivi du coup des sorties de la semaine prochaine. Donc une sortie du 20 octobre, grosso modo. Et comme d'habitude... Il y a du boulot. Voilà. Bon, ça va, il y a 30 nouvelles sorties. Ouais. Le seul dont on a déjà parlé. Oui, on a déjà parlé. On va pas revenir sur ce qu'on a déjà parlé parce que sinon on n'a pas fini. Mais du coup, c'est dans les rediffs de live, tout ça, on dira quand on en a déjà parlé. Et ensuite, on finira du coup par la suite de notre top 50 avec le top 40 à 36. Voilà pour le programme de la petite matinée. Et du coup, nous allons sur Game Park. Il ne s'affiche pas. Je sais si c'est affiché, monsieur. C'est bon, il s'affiche. Ouais, c'est bon, il s'affiche. Hop. Du coup, il se rencontre World. Allez, nous allons trouver des joueurs en cours. On pourra jouer à Rakan Wars quand j'aurai testé à Rakan Wars, mais je n'ai pas encore testé. Et nous avons directement un match trouvé. C'est cool. C'est rapide, c'est difficile. Ça va dodge. Non. non. Ça a complètement l'air de dodge. Mais le dimanche matin, les gens ils sont disponibles, non? Non, c'est... Oui, donc ils lancent la recherche, puis après ils partent se faire un café. Ah ouais, bah d'accord, relancer la recherche, voilà. Ça arrive. C'est bon, pas deux fois de suite quand même. Oui, si les gens ils lancent la partie à vraiment, je pense que les gens partent se faire un café. Hein. Ah non, c'est bon, c'est bon. Mais enfin, oui, mais il est revenu à temps. Il a vu, il a fait oh, il faut que j'accepte. Oula. Oui, c'est légal, c'est une salle. Oui, c'est bon, c'est. C'est quoi, c'est bouddhiste hein. Tout va bien. Non, c'est pas bouddhiste. Si. C'est le symbole bouddhiste, c'est ça. Si. J'ai eu peur de dire une bêtise. Tout va bien, du coup. Méfiance quand même. Oui. Pas méfie quand même, non. Ce paquet me fait... Je sais pas. Si, c'est jaune. On peut tenter une strate prison de haute sécurité. Ah oui, c'est vrai. Elle est là ? Ouais. Ouais, j'avoue qu'en vrai... Avec le poste de frontière. J'avoue qu'en vrai, c'est sexy. Hein. En vrai, le petit poste de frontière et tout, il y a peut-être un coup à jouer, tu vois. T'as raison. Une poste de frontière. T'as raison. Et on part full gris... gris jaune général. Gris communiste, là. Genre ça là. Bah en vrai, mais en vrai ça c'est 5 points. En vrai c'est pas du tout. Ça c'est 5 points, c'est excellent. C'est oui. On est en comme ça. Oui bah go, tous les jours. C'est trop bien. Et en plus si vraiment on est leader vert, bah on prend des généraux. Même s'il faut en vrai il faudrait peut-être prendre le noir. Ouais non mais j'ai pas trop. Non. Faudrait penser à prendre une centrale si on envoie une. Bon après la fabrique à robots c'est pas stupide non plus si on part vert. Ouais. Mais... Le blé en moins, je pense que... Oui, bon, bah le blé en moins... Je préfère l'éolienne à la limite. Mais... Ok, ils sont en train de s'entretuer et de prendre des financiers partout, là, c'est trop bien, c'est incroyable. Faites votre vie. Allez, on laisse, hein, allez. Matière noire pour vraiment partir vrai, gris-noir, enfin gris-vert. Je sais pas, en même temps, il n'y a pas grand-chose non plus, mais bon... Genre après, on prend un petit centre de propagande et... Le centre de recherche. Ouah, je suis... Waouh. Tu veux vraiment prendre ça? C'est un peu chaud. On la fera jamais, hein, mais cette carte-là, à chaque fois que je la prends, je l'ai jamais faite. Genre... Mais en vrai, ça nous donne vraiment notre axe de partie, c'est vert gris. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, et on fait... Mais plus gris que vert quand même. Oui. Mais... Moi, je préférais vraiment faire plutôt celle-là qui est pas chère. Oui. Il faut penser à avoir un financier aussi. Oui, bon. On se passe pas enflé à la fin parce que. Bon, ça du coup. Bah, soit ça, mais le problème c'est qu'on aura. Ça fera pas de jaune, soit le centre de recherche, parce que. On dit qu'on part vraiment vert. C'est quand même 5 points, ça, c'est trop bien. Oui, c'est vrai, c'est 5 points. C'est 5 points, on est obligé, En plus, ça fait du jaune et on va de l'avoir de jaune. Donc, c'est bien. On peut prendre la fabrique. Mais là, on pourrait prendre ça. Le gris, on a évitera. On pourrait prendre ça et recycler deux verres dans ce qui arrive, ouais. Si on a du bol. Ouais. Je pense que c'est mort. Et mais... on croise les doigts pour que, je sais pas, il y ait un robot de compagnie, comme ça on récupère le gris. C'est un robot de compagnie, hein. C'est pas si mal, quoi. On peut croiser les doigts. Hein, mais... Moi, je m'inquiète vraiment sur le financier. Parce qu'il faut vraiment ne pas l'oublier. Oui, mais on je pense qu'il y a moyen qu'on l'oublie. Bah, c'est bon, tu l'as répété, on répétera tout le tour s'il faut. Vert. On reprend ça. Bon, on leur laisse sauter sur tête, à ceux qui se battent avec les financiers. Okay. Mais... Là, ils sont en train de se défoncer, ok? Ils sont en train de se battre. C'est parfait. Non, je sais pas ce qu'ils font. Mais... Ok, revers et on avise. Ouais. Mais je pense qu'on jette les deux. Hein. Oui, 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 on va jeter les deux. Comme ça, on fait ça. On fait ça, ouais, c'est très bien. Ouais. C'est dommage parce qu'on perd un gris. Oui, mais. On pourra le refaire. On va faire là. Oui, non, je pense que ça se fait. Ah, il va manquer un gris, on pourra pas faire ça et ça. Non, mais on pourra faire le poste de frontière. On pourra plutôt faire ça. Oui. Ah oui, on pourra faire ça, c'est vrai. Bon, il sert à rien, hein, parce que je rappelle le jaune, on l'a. Oui, pas, mais il servira plus tard. Il servira plus tard. Après, vous pouvez peut-être commencer la base militaire parce qu'elle peut nous donner un gris. Avec juste un recyclage, un seul recyclage. Ouais, mais le gris, on l'a pas maintenant. Oui, mais avec un recyclage gris au tour prochain, on a un gris supplémentaire, tu vois. Ah. Plutôt que de le mettre sur le poste de frontière qui sert à rien. Oui, c'est vrai, c'est pas idiot. Il sert à rien puisque le jaune, il ne le donne pas. Sert à rien. Là où on prépare la base militaire pour recycler un gris au tour prochain. Et on jette plein de noirs à la poubelle, du coup, on est un peu con quand même. C'est pas grave, ça fera un cristallium. Ah oui, parce que lui il le fait pas du coup, donc ça fera un cristallium. Et ici. Ah oui, non, je regardais pas le bon. Toi, tu me parlais d'un il a deux cristalliums déjà. Tu parlais d'un général, moi je parlais d'un cristallium, hein, mais on parlait pas de la même chose. Et sur la base militaire. Ouais. J'essaye un peu d'expliquer aux gens la réflexion, tu vois, mais. Tu as raison. Mais c'est compliqué. Mais disons que tu vois, au début, les gens ne sont pas là, donc ils ne posent pas beaucoup de questions. Oui, c'est vrai. Ou alors, juste... Tant pis, tant pis, on joue pépère. Mais après, en même temps, tu fais pas de pub sur Game Park. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu pourrais. C'est vrai. J'imagine. Bon, là, du coup, on jette 3 noirs à poubelle, quand même. Hein. Ouais. Mais là, c'est trop bien. Ils vont s'entretuer. Lui, déjà, les verts, il en fait jamais, c'est sûr. Lui... pas parti tellement pour en faire. Et nous, du coup, les généraux... Donc nous, a priori, on va quand même être tranquille. C'est bien, on va passer une partie un peu tranquille. Un petit peu de chill, généraux. On va même, pour moi... Ah, est-ce qu'on prend un financier ici, comme ça, on est tranquille? On n'y pense plus? Ouais. En vrai, je pense... Comme ça, on n'est pas gêné. Moi, je le prends moi-même. Allez, allez. Et le vert, regarde, on peut le mettre là, déjà. Le problème, c'est qu'il nous faut 2 cristalliums pour mettre ça qui... Et le problème, c'est qu'il y en a déjà 2 faciles qui sont partis là, mais de toute façon, on n'allait pas les prendre, celle-là. Bah, il l'a fait quoi avec tous ces grilles, c'est tout. Ah oui, non, c'est les 2 quartiers occultes. Oui, oui c'est les 2 quartiers occultes. Oui. Il va partir, gars. Non, mais moi, je pense que c'est une petite partie un peu peur, chill, reposante avant les sorties qui arrivent, devant Exxon. Réveillante surtout. Ah oui. Non mais il y a pas mal de choses intéressantes, mais surtout la semaine prochaine. J'ai vu les images des scènes, c'était un bordel. Hein. Ah ouais. Oui, il y avait du monde. Il y avait trop de monde, c'est abusé. C'est abusé. Il y avait vraiment beaucoup de monde, ça c'est vrai. Dijon Char. Astéronie. Ah ouais. Ouais, oui, t'as raison. J'ai toujours resté au mini en fait. Genre, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Les paquets ne sont pas attrayants. On recycle pour faire du jaune, pour faire ton mini. On recycle du jaune. Comme ça. C'est un humain, mais il donne un financier, on s'en prend un peu maintenant. Ouais, non, mais on prend la ville casino parce que ça les embête et ça nous fait du recyclage jaune. Pas bête. Pour tout en fait. Pas idiot. Parce que ça les embête. Non, il n'y a pas les flottants, mais bon, j'ai un peu la flemme de dépenser un. Non, on s'en fout de pas les flottants. J'avoue que si on. Ouais, comme ça, lui il est fait pour le T3, on est sûr, ouais, on est tranquille. Ça. Et qui fait que tu veux prendre pas les flottants, on en a rien à faire. Je pensais au jaune aussi pour faire ça. Justement, c'est pour ça que je veux recycler du jaune. Et en plus, avec la stéo éliminée, on a nos 2 castagnes. Il faut penser à placer les noirs aussi. Oui, bien sûr. Parce qu'on va pas jeter 4 noirs à la poubelle à nouveau quand même. Oui, c'est vrai. mais ce serait mieux de les prendre dans une division de char plutôt que dans des éplats. Bah là on part sur le cycle jaune encore. Il y a ça aussi qui est bien. Wow. Ah si c'est bien. Non. Un zeppelin du coup? Non. Encore un recyclage jaune? Bah oui. Non. Bah ou alors un complexe. Il y en aura plein, il y a 3 recyclages jaunes, ça reviendra. On peut faire un complexe. Un complexe. Comme ça on construit. Ça? Ouais. Quoi faire? Bah ça... pour faire des jaunes. Pour construire des jaunes. Pourquoi? Pourquoi faire? Comment? Pourquoi faire? Non? Bah complexe alors. T'as pas l'air convaincu. Voilà, je me dis qu'il faudrait essayer de faire des bleus pour avoir une suprématie en plus facile. Mais on a -1 avec le poste de frontière. Non mais les bleus c'est les communistes en plus. Oui mais là pour le moment on a -2 en... Oui mais attends, on fait 4 noirs, on va les avoir. Ok il y en a un de moins là, mais il y en a un de plus ici, à la division de char. Non, on va manquer de cartes grises hein, là. Bon bah ok, je pense plus que de généraux, parce que les généraux on les a en noir, on les a en vert. Et... Ah si c'était d'or qui part tu vois c'est dommage par exemple, c'était des jaunes faciles. Non mais c'était des jaunes très faciles. Oui. Après, là, si tu veux ta division de char, on peut la prendre. Mais... pour moi, c'est division de char, on ne place pas les noirs. Les noirs, oui, on les met nulle part. Si tu bases bomille, mais après ça va nous prendre des grilles encore une fois. Non, non, mais on va pas mettre. Base bomille, c'est overkill, mais là ça donne un communiste, c'est pas cher. Base bomille aussi, et elle nous fait des verts et on veut du vert. Ouais. Et on place tous les noirs. Vraiment base bomille. Et il y a des noirs qu'on doit mettre là, non? Oui. Non, bah, c'est ta division de char. Bon, les gars, c'est ça. Bon d'accord. Nous sommes un couple. Non mais les verts c'est bien. Nous sommes un couple très d'accord. on accepte les compromis. Et là du coup on prend du recyclage noir. Ou jaune. Non j'avoue noir c'est bien. Lui ouais. Je sais pas pourquoi personne. Oui. Bah oui lui. Lui parce que les gens ils le veulent de toute façon donc. Je prends un recyclage vert pour faire ça. Mais c'est pareil du coup les verts on les met que d'une part donc. Si on les mélange. Si, mais on n'aura pas. Un recyclage gris, comme ça on fait la base militaire et on a un gris de plus. Allez, ouais, c'est bien. Ouais, comme ça on fait ça et ça, on fait ces deux-là. Ouais. Okay. Ça sert toujours à rien parce que le jaune il part toujours dans le vide, mais. Il faut bien y aller à un moment. Il faut bien la faire, il faut bien commencer à un moment donné. Il faut bien faire des cartes. Nous sommes d'accord. Du coup, le plan c'est quoi? Ça on jette et ça on fait? Bah, je sais pas. Parce que. Ouais. Je ne sais pas. Je suis d'accord qu'il faut essayer de faire des jaunes. Il faudrait essayer de faire ça vite pour qu'on ne soit pas emmerdé. Ça, elle est faite. Hein. Et à la limite, on recycle ces deux-là pour faire ça et comme ça, au tour 3, on a moyen de prendre des choses qui font de la production de jaune. Ok. Comme des places financières où il y en a que 2 qui sont tombées. Oh, il a eu ça quand même, lui. Ah, il a eu vraiment beaucoup. Ouais, ah, oui. Quand même. Ah oui, oui. On est pas au même niveau. On est pas dans la même cour. Non. Oui, bah, il a pris des mises en charge, du coup. Et ouais, hein. Toc. On peut prendre le recyclage gris, comme ça on fait et base mobile et complexe industriel qui nous donne un gris plus encore pour le tour prochain. Mais on fait pas le poste de frontière et on n'a pas le jaune pour... De toute façon, base mobile, on le fera pas pour... il sera fait, mais pas pour les verts, il sera fait pour les bleus. Ouais. Et encore, du coup, est-ce que les verts, on les mettra plutôt là, plutôt que sur base mobile, du coup? Oui. Je pense. Oui. Ou alors, on prend un recyclage jaune, comme ça, on construit le complexe, et le jaune du monument national, on le met sur un stéroïde minier. T'as suivi? Non. Non. On prend un monument national, on le recycle. Oui, tu le mets là. Ouais, et comme ça, le complexe industriel. Tu construis ça, plus ça, et du coup, il y a un jaune qui part là. On pourra pas construire à ce tour-là le complexe, mais. Non, mais on a avec la ville des Dino, ça fait bien. Monument national plus. Ah oui, 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 absolument. Et ça, on peut le faire. Ça, on le construit pour le tour prochain. Allez, j'aime bien l'idée. Parce qu'après, il y a ça à faire. Il en faut au moins 2 au prochain tour pour être sûr. Là, on va avoir les 2, tu vois. Donc là, monument national, c'est dégage. Zone, c'est dégage. Ascension spatiale, c'est dégage. Non, mais quasiment, on jette. Ah oui, pardon. Hop. Et les 2 sur astéroïde. Ouais, et le noir aussi, en fait. Il y a le noir aussi, il n'y a pas d'autre point où le mettre. Bon, on a ce qu'il faut. On a T4. Et le gris sur base militaire. Ouais, c'est ça. Hop. Nous sommes d'accord. Du coup, c'est con parce que lui, il fait 4 noirs aussi, donc on perd la suprématie. Et là, on les met. Bah... On avait dit. Il n'y a pas de bon choix en fait. On peut préparer le complexe pour avoir le gris au tour prochain. Parce que là, ça fait un bleu en moins, mais on s'en fout. Non, mais mets sur le complexe pour le gris au tour prochain. 3 sur le complexe. Ouais, comme ça, on a un gris au tour prochain. En plus. Oui, 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 c'est vrai. Du coup, un noir, et 2 noirs ici. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Bon. Ouais, c'est... ouais. Ok. Un truc dégueulasse comme ça. Ouais, non, c'est bien. Et ça, là, maintenant. Ouais. Moi, je suis confiant. C'est bizarre comme tour. Moi, je suis confiant. Ça me plaît pas trop. Moi, je suis confiant. C'est bizarre. Non, confiance. Je veux... Ah oui, on a récupéré un deuxième financier, du coup. Oui, bah oui. Confiance. En plus, on leur deny un financier. Top. Il a moins 4 verts, let's go. Lui, son but c'est de faire le moins de verts. Ah, lui, il est en train de faire des verts. Ah, oui, non, il en a fait un. Voyez, on va faire un autre. Pas confiance sur les verts, quoi. Pour l'instant, on a une carte verte. Il y a une neuroscience qui arrive, mais bon. Bien sûr que non. C'est un mauvais pilote. Bah, après, neuroscience, on peut prendre la centrale acrylium pour recycler le vert. Ça, c'est aussi 5 points. Hein. C'est vrai. Mais bon, un peu cher. Le problème, c'est que c'est un peu cher. Neurosciences, bah en vrai, il faudrait faire des verts pour la matière noire quand même. Mais le problème, c'est que neurosciences, ça procera jamais. Quoi. Non, ça fera rien. Bah, après, ça va faire 6 points du coup. Enfin, même 7. En vrai, pour 7 points, c'est pas cher. Ouais, oui. J'ai une bonne idée en vrai. C'est pas cher. C'est sympathique. Allez, hop, prenons. Il y a ça aussi. Qui fait 12 points. Ouais. Après, les jaunes pour l'instant, c'est un peu la galère, donc ouais, les jaunes, on en a qu'un pour l'instant. Hein, avec arriver, hein, mais... Ouais, pas gagné. Hein. Pas gagné, pas gagné. Non. Ce qu'il faudrait, c'est les mines du roi Salomon, là, ce serait génial. Et la méga bombe. Mais surtout ça. Oui, parce que moi, je regardais la méga bombe pour la même raison, et... Oui, oui. 5 points. Oui. Alors ici, pour un noir Mégabon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah oui, c'est vrai que lui, il proc un peu partout. Et peut-être, du coup, il donnera des généraux en plus avec des cartes grises, tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc, parce que déjà, elle fait 6... Bon, c'est vrai que elle, personne la prend. Elle... Si, il y a pas mal de gens qui peuvent la prendre. Mais elle fait déjà 11, hein, la Mégabombe, elle fait plus que ton poste de frontière. Merde, j'ai glissé. Bon. Mais il faut vraiment de la prod de verre, par contre, on est dans la sauce. Hein. Il faut un recyclage vert d'urgence, et là, il n'y en a qu'un seul. Et les postes de frontières, il faudrait essayer de le prendre. Pas confiant, hein, quand même. Non, mais ça, franchement, ça va bien se passer. On va tout faire. Légèrement inquiet, quand même. Hein. Non. Si, si, très très inquiet. Tu t'inquiètes trop. Légèrement. Il y a un recyclage vert qui vient de partir encore. Bah, c'est base mobile, hein. C'est base mobile, hein, oui. Non, je suis d'accord. Il n'y a pas à tergiverser, comme on dit. J'arrive même pas à dire ce mot. Tergiversé. Si tu l'as bien dit. Tergiversé. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai du mal, tu vois. Genre... Si tu l'as bien dit. Tergiversé. Ouais, en fait. Tergiversé. Je sais pas, en le disant, ça m'a pas paru. Tu tergiverses. Ouais, t'hésites quoi. Non. En vrai, voilà. Centrale à Castellium pour le vert. Comment ça pour le vert? Bah, pour recycler le vert. Encore? Comme ça, on fait les deux bases mobiles. Attends, non mais cette base mobile, elle devait partir en recyclage pour faire celle-là. Oui, non mais là on prend la centrale à cristallium. Comme ça le recyclage part là-dessus et ça il faut le faire. Oui, en vrai on peut se le permettre. Hein. Et bon, c'est grigny quand même, hein. Il n'y a pas d'autre recyclage vert, je crois. Ah si, mais il y en a de pris. Je me souviens de Roswell. Je m'en souviens, mais oui, bon bah le poste de frontière, ça va. Sinon il y a ça et l'appareil pour le T4. En vrai ça c'est bien, ah, ça ouais. Fait 5 points. Oh. Bah oui, ça fait comme le... Après... On préfère les gris ou on préfère les jaunes? Ouais, on préfère les gris. Les verts. On préfère les verts, hein. Les verts, on n'en a pas assez. Hein. Allez, le vert. Bon, non plus, mais... Ah, une qui est bleue, on a toujours un espoir d'en avoir pour faire quelques cartes à la fin, mais bon. J'ai bien compris que c'était compliqué. J'aime pas jouer vert. Je suis pas à l'aise. Autant ça, je suis vraiment parfaitement à l'aise. Autant... Bon. Pas fou, quoi. Contrôle du climat, on essaye de la faire. En vrai En vrai, on va en avoir quelques-uns des verres. Franchement, je suis assez. On va en avoir trop de plus, hein. Calme-toi, c'est ridicule. Non, mais regarde, on prend un cristallium pour faire la deuxième base mobile. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'on soit des cristalliums, on va en avoir avec tous les boulots, tu vois, qu'on va cracher, et donc du coup, on a 4 verres en plus. 5 verres en plus ce soir-là. Ah, on a peut-être pas assez de noir par contre. Non, on a que 4. Bon, enfin, soit on prend. Il y en a déjà 2000 là. Oui, mais on. Il en faudrait un là. Et 3 sur la base mobile. Non, non c'est bon là. Ah oui, oui c'est ça. Un ici, 3 là, on est à 4, et un cinquième ici. Ouais. Ah, ça, ici. Ok, ouais, ouais, c'est ça. T'as un cristallium du dos. Un cristallium pour le verre. Oui, pour le verre. Waouh, mon cerveau, pardon. Mais là, un recyclage noir qu'on va venir mettre sur la base militaire. Pour la ouais, je suis d'accord. Et là, on n'a pas compté les grilles, mais on se rend compte que ça passe pas. Si, si, si. Donc ça, on construit. Ça, on construit. Ça, on jette. Ça, on construit. Bah, on va passer notre T4 avec comme ça, je pense. Bah ouais, là, c'est ça. Hein. Non, c'est ça. C'est très... Non, c'est bien. Moi, j'aime bien ce qui se passe là. On va faire ça au cas où on est très mal calculé. Non, 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 c'est pas ça. Parce que là, en mettant les grilles... ah oui, si, si. Non, j'allais dire, il allait nous enlever un grille, mais c'est bon. Coucou Isara. Non, pas tout de suite, oui. Oui hello. Si, c'est bien. Ah, comme ça, c'est bien. Ouais. Ça va, Isara? Ouais, comme ça, c'est bien. Base mobile. Base mobile 2. Base, pas mobile. Et play mobile. Ok. Ouais. Je peux pas en faire 2 grilles. Non, non, c'est bien. On va commencer à construire ce merde. Oui, 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 il va falloir un jour parce que ça va se voir. Le cristallium sur la base mobile. Sur le verre. Ici sur... Non. Non, le pas vert, mobile. Le... Ouais. Là. Hop. Ok. Oh, c'est trop mignon d'être sorti du lit pour venir sur le live. J'avoue que moi aussi j'ai eu du mal. Moi ça fait compliqué si je le fais pas. Après tu... Oui. Ok, c'est bon là, on est à 7 verres. Je suis une tyrande, je te sors du lit. On est à 7 verres. Contrôle du climat, neurosciences. Ça, il en manque un, mais... Bah, contrôle du climat est plus important. Oui, pour faire un jaune maintenant, comme ça on est tranquille, on sait que lui on le fera. Et parce que en plus du coup il fait du noir pour le tour d'après, alors que le vert c'est bon, on en a 7. Et neurosciences parce que ça fera 2 verres au tour d'après. Non, 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 construis pas. Oui, merde. Oui, non, mais en fait j'ai tout mis comme ça, il est parti avec. Oui, t'as fait construire. Pardon. Du coup, il a déjà allé faire boum, construit. Il a l'air de passer sa meilleure vie, celui-là. Ouais, clairement. Oh, il est flou en plus. Triturer le cerveau, là. Triturer le cerveau l'axe. Ok, on est bien? Ouais, on est bien. Je pense qu'on est bien. On est bien. Ok, 2 jaunes ici. Maintenant celui-ci. Hop. Hop, c'est fait. La vie est belle. Et 2 bleus qui partent faire un cristallium. Et boum. Et du coup, on a nos 2 cristalliums. Mais tu te rends compte qu'il a 3 bleus, il en fait plus que nous quand même. Hein. Ça, c'est grave. Hein. Ça, je suis vexé. Mais du coup. Tu vois, il est parti bleu, il est parti un peu bleu et tout, et il a une production de bâtard. Hein. Ultra magnétique et tout. Mais t'as vu? On a nos 2 cristalliums pour matière noire. C'est vrai. Eh, ils sont revenus. Si on les consomme pas tout de suite. Oh. Oh, il détecte pas jamais. Bah, en vrai, je sens, je me dis. Non, mais attends, il y en a 4 ici. 2 ici. Bon, là, tu vas faire un cristallium, d'accord. Mais bon, TP, ça fait beaucoup là, non, quand même? Ah, il y a un joueur qui a RQ. On a beaucoup de cartes. Le bouddhiste, il a RQ. Ah ouais. En fait, je me suis dit, on a beaucoup de cartes d'un coup, et en fait... J'ai RQ. Ah oui, du coup, on a 10 cartes. Oui, c'est pour ça que je me disais... Et du coup, on est en directe opposition à lui. C'est con, parce que c'était le mieux... Il est bien... J'étais en mode, il y a beaucoup de cartes. Il est bien placé, ok, il a une grosse prod, mais il a 0 points. Il a ça. Il faut lui bloquer des cartes noires. Bah, c'est un recyclage vert. Oh bah, j'avais justement besoin d'un recyclage vert, c'est vraiment pas de chance quoi. Par contre, on a les utopies, on est peut-être un peu débiles. Ça va le faire. 24 points, ouais. Minimum. Ah, minimum, c'est pas mal. Mais après, les généraux, en fait, on a tellement de généraux, il nous faut des cartes grises. Hein. On en a 8, on va en avoir 10, il nous faut des cartes grises. Il y a vaisseau mystérieux qui peut faire 12 points. Chaque carte grise nous fait 5 points. Ah oui, ouais, on a un surplus là. Ouais, ouais. Et ouais, la seule qu'il y a, c'est Sandra Nucléaire. Ouais, bah après, on peut essayer de le prendre. Les sommis, ça fait plus de points qu'une carte grise, donc en soi... Mais on va galérer avec les bleus. C'est 2 verts en plus. Animorph. Ouais, les bleus, on va galérer, c'est mort. Animorph, elle est pas mal parce qu'elle nous fait 6 points sur le noir. Celle-là, elle proc, ouais. Mais elle proc ici, hein. Ouais, 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 c'est ça, 6 points sur... Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. 5 communistes et 2 points. En vrai, c'est pas mal. Ouais. Juste un peu pour la faire, mais... Bon, allez, go. Ouais, il a fait Utopie, bah, ouais, c'est ouais, logique. C'est le problème. Est-ce qu'il reste des cartes grises là-dedans? Oui. Oui. Non, on va les prendre là, les cartes grises. Genre voilà. Une place financière. Non, je vais prendre financière. Plutôt une usine, une éolienne. Plutôt ça, ça fait 2 points. Parce que le problème, c'est qu'on ne le rattrape pas en or. Dommage. Ouais. Si on fait les 2 centrales, on le rattrape. Quoi? On a des grilles, on sait pas trop quoi en foutre, mais bon. On sait pas trop. Il en faut 5 hein, quand même sur une matière noire. Moi je prendrais bien une petite éolienne ni vue ni connue comme ça. Est-ce que ça l'éolienne? On nous dépasse pas. Si tu prends l'éolienne, ça nous fait tout. Enfin, on est au max, on a plus de grilles après. Hein. Ah oui? Bah, comment 5, ça bah, il en faut 5 pour matière noire. Non mais. Ah oui, non, par rapport à ça. Oui. Oui, mais par rapport à ça. Oui, par rapport à ça, il faut prendre une éolienne. Oui. Ou une. Enfin, il faut prendre quelque chose. Bon, on prend au moins une éolienne déjà. Ouais. En fait, l'idée c'est de le dépasser ensuite en prenant la centrale. On dépasse si on prend la centrale. Si on fait centrale plus éolienne, du coup on est à 10 et lui il est à 9, il produit pas plus. On va manquer de grilles par contre. Hein. On en fait 8. Oui, il en faut 5. Ah oui, 5 il en faut 5, 6, 7, 8, effectivement. C'est bon, bah, ça que j'étais en train de dire. Du coup, non, effectivement, on ne fera pas. Quand je disais on prend l'éolienne, on est au max du gris, c'est ça que je voulais dire. Je me suis très mal formulé. Mais... Il est en train de prendre tous les doubles combos, il me fait peur. Hein. Mais lui, il le fait pas pour le faire. Non, c'est juste pas. Il a raison de le prendre hein, en soi. Ouais, mais je bloquerai ça du coup, moi. Là je prendrai ça pour les bloquer. Pandémonium. Ah oui, pour faire Pandémonium, il manque un financier. Ah non, il manque pas de financier du coup. Ça, on... Pour le faire et pour lui bloquer, les deux en fait. Ouais, en fait c'est trop bien pour nous et c'est trop bien pour lui. Ouais, c'est bien, j'avoue, c'est bien. Genre, pour lui comme pour nous, c'est bien, donc ça dégage. Hop, manger. Manger les points. C'est vrai que dernier tour, normalement on bloque des points et là on l'a pas trop fait. Hein. Tiens, petite question Isara, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce que la musique est trop forte? Pas assez forte? Voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas assez fort, mais j'ai peur de détruire les rapports des gens. Ou les miens. Du coup, il manquerait 2 recyclages bleus, on les prend? On commence maintenant? Il y en a que 2 là. Oui, ou alors une taille de fer satellite. Parce que là, attends, ça c'est fait, donc ça fera un 9. Donc là il y en a 4 et 2, 6, 8. Non, on fait satellite plutôt qu'animorphe. On fait satellite plutôt qu'animorphe qui revient au même. Voilà, c'est ça. Et qui fait même plus de points et ça fait plus de points. Le micro est un peu faible, mais la musique par rapport à la voix ça va, ok. Bah, il faut parler plus fort. Voilà, il faut le rapprocher, genre comme ça, peut-être. Ouais. Je sais pas. Je vais le mettre là. Tu fais de l'ASMR là. Bon, satellite du coup. Satellite, on est sûr? Bah oui. Mais comme ça. Oh bah oui, bon, bah, non, si mais on est sûr alors. Comme ça, on arrête de réfléchir, on prend satellite, on le fait. Et. Pas dernière carte là. Il faudrait prendre ça pour lui bloquer parce que ça lui fait trop de points. Et il le fait ultra large. Voilà. Ouais, allez. Il le fait en full flex, même si j'avoue que je préfère peut-être un de ce cyclage. Bah j'aimerais bien un cyclage vert moi. Faut être sûr. Parce que là un recyclage vert on refait tout. Enfin sauf ça. Oui mais du coup on pourrait le faire animant. Ouais. Si j'en recycle un vert. Tu vois. Ce qui ferait une dizaine de points. Ouais c'est ça quand même. Ouais. Et il y a 2 recyclages verts dans l'autre paquet. C'était ça qu'on avait dit. Bonjour, pas attends, comment c'est Svilo? Svilo? Ouais, c'est vélo? C'est vélo, c'est ça? C'est vélo. C'est vélo, coucou, bonjour. Coucou vélo. Bonjour, bonjour vélo. Coucou mon vélo. Bon, j'hésite. Mais je pense, du coup, on tente les recyclages verts. C'est pas un néo-nazi, c'est un bouddhiste. Ce n'est pas une croix gammée, c'est une croix allez. Recyclage vert. C'est Céline. Ah, c'est Céline. Coucou, c'est vélo. Coucou, c'est vélo. Ah, bah oui, vélo. Bah oui, Céline. Oui, logique. Céline Brou. C'est bien ça, il y en avait 2. On s'est pas trompé. Go? Ouais, on est hors timing du coup, on réfléchit trop. Ah merde. J'ai jamais été. Faudrait pas qu'il nous quitte quand même. J'ai jamais été hors timing de ma vie. J'ai même pas fait gaffe qu'on était hors timing. Ah, on est à 4 minutes d'un coup. C'est les timers, c'est pas encore la priorité de Game Park, mais. Je n'ai jamais été hors timing. Donc voilà. On va se dépêcher du coup, parce que le mec va nous détester. On la joue, l'éolienne, ouais. Oui, on fait. Ça, ouais. C'est fait, c'est sûr. C'est sûr, ça va vite. Et on peut même. Attends. Mégabombe. Ah oui, mégabombe, oui, comme ça, ça fait un verre en plus. Ça fait un verre en plus. Oh là là. On fait mégabombe, comme ça, ça fait un verre en plus, c'est sûr. L'intelligence. Ou Animorph, mais on s'en fout, c'est pareil. Ah, clairement, c'est du passif agressif. Le fait que je dise que je suis jamais hors timing quand je joue avec lui, bah voilà, c'est tout. Ok. Là, c'est pas du passif agressif, c'est direct. Boum. Parfait. Tous les gris sont placés. Les noirs. Franchement, j'avais dit qu'on allait tout faire. Boum. Tous les noirs sont placés, y compris sur l'Empire. C'est un peu. Voilà. Oui, bon. C'est dommage parce qu'on a perdu la suprématie en noir et du coup on perd un peu du communisme. Mais bon, en vrai, on a déjà pas mal. Non, on en a plein. On a déjà un peu trop. Tous les financiers ils vont là, on en a pas besoin d'autres. Là, on est d'accord, il y a déjà un financier. Il est déjà là. Il s'est bien mis. Il s'est bien mis. Super. Oui. Donc je peux prendre un communiste en toute sérénité. On s'en fiche. Je suis parfaitement serein. On n'a pas d'autres multiplicateurs. Ok. On fait tout. Et de jaune et de gris et les deux. Ah oui, c'est vraiment perfect. Ah, mais oui, mais on fait tout. On va lui rouler dessus, non? Je pense. Il a robot géant, mais ça fait que 24. Oh, ça fait que 24. Aïe aïe aïe. Quand tu comptes genre ça nous fait quand même beaucoup plus de points, genre. Ah oui, Ah oui, on est parti vraiment en full flex. Il reste pas un financier. Non, il reste... Donc ça veut dire que le financier qu'on a pris au début, c'était vraiment un bon move. On a pris Pandémonium aussi. Et on aurait pu le prendre en vert au dernier tour. Au pire. Quoi? Au dernier tour, on aurait pu le prendre sur le vert. Oui, c'est vrai. Et c'est parce qu'on a décidé de faire Pandémonium aussi. Donc en vrai... Chance, on l'explose. Pour l'utopie, il a fait 30 points quand même. 36 à 36, 30 à 18, 24... Ah, on l'explose pas en fait. C'est parce qu'on lui a laissé Utopie, on n'aurait jamais... On n'aurait pas dû. C'était une erreur complète, on n'aurait pas dû. Pourquoi la place d'Utopie? Bah je sais pas, mais dans tous les cas, on n'aurait pas dû lui laisser Utopie. Tu lui enlèves 36 points, c'est bon, c'est perdu. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris une merde, on a pris une grosse merde. Non, on a pris un truc bien, je crois. Non. Fais voir nos cartes. Bah, elles sont là. Non, c'est pas les nôtres. Je sais pas, on a dû prendre Animorph, on s'en foutait, genre. On aurait dû prendre Utopie. Parce qu'on s'est dit, ok, il fait 24 points au pire, et en fait, il a trouvé le moyen d'en faire 36. Mais on a pas pris Animorph. Il a trouvé le moyen de le faire, on surtout. On a pas pris Animorph. Non, on a pris Neurosciences. Bah, non. Je suis sûr que c'était pas Animorph. Bon, bah, j'en sais rien. Bon, bref. Je suis un peu triste. Mais bon, on a fini deuxième quand même, c'est pas si mal. Oui, deuxième. Ça sert à un extra quoi. Bon, il a peut-être des cas, d'accord, mais bon. Peut-être, ouais, il a l'air cul quoi. Ok. Eh bien. On va passer aux sorties de la semaine. Au boulot. Au boulot, les sorties de la semaine. C'est les tendances. C'est les tendances, mais c'est sympa les tendances aussi. Hein. Il y a beaucoup de sorties dans les tendances d'ailleurs. Si Salt and Paper est en train de descendre, on pourrait faire le cours de la bourse. Les toits de Paris qui sont en train de monter. On pourra vous en parler bientôt d'ailleurs. Bientôt, je l'ai commandé. Je suis toute contente. Christine Elcouf. Enfin bon. C'est quoi, sortie ou prochainement? Prochainement. C'est pas encore. Ah oui, sortie, ça vient de sortir. Ouais, sortie, c'est déjà sorti. Exactement. On pourrait parler de ça d'ailleurs. Tu peux faire plus pour. Normalement, tu dois le faire 2 fois. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu peux arrêter. Là, on va jusqu'au. 20. Le 22. 20. Le 20. Ouais, le 22. Le 22 octobre. Du coup, tout ce qui est le 27, c'est pas bon. C'est signé Epic Dungeon Stories. Vous avez vu tout ce qui sort le 27 là? Ah, mais on n'est pas au bout de la ligne. Non, hein. Mais le 27, c'est. Bon courage la semaine prochaine. Hein. Ça va être. D'ailleurs, semaine prochaine, on n'est pas là le dimanche. Ouais, ce sera le vendredi. Ce sera le vendredi. Rien que ça, vendredi matin. On décale un petit peu la date. Pas là le dimanche. Enfin, on est là, mais on n'est pas là. Bref. Donc, du coup, ça va s'arrêter à Tiny Epic Dungeon. C'est ça. L'extension. Allez, on a 4 lignes. Oh bah, on remarque que ça commence vite. On en a beaucoup qu'on a déjà parlé, par exemple Bonne Presse, on en a déjà discuté. C'est grosso modo pour refaire le... Oula, pardon. Pour refaire le débrief rapide, c'est un limite, mais avec un thème, non pas la Gaule, je sais pas, c'est quoi les thèmes de limite. La Gaule. Ouais, bah oui, mais c'est que des jeux de mots comme ça, les blancs manger coco. Oui, bah après, c'est le thème un peu plus large. Mais c'est un thème plus journalistique où du coup on incarne des journalistes, c'est pour faire des titres de journaux. Voilà, donc des scientifiques démontrent que manger de la pizza à l'ananas augmente l'espérance de vie. Voilà, c'est vraiment tourné, c'est le même principe, donc. Mais moins. Ça a l'air en tout cas moins beau. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas la cible de jeu, mais je préférais ça à un blanc manger coco. S'il fallait choisir. S'il faut choisir, j'avoue que Bonne Presse, pourquoi pas. Ok. Eh bien écoute Céline, si tu veux faire des types de journaux... Ça semble être mon job de rêve. Il a fait exploser un laboratoire de chimie, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut... C'est pas la suite. Mais ce serait bien un truc à la Céline, ça. Très bien. Camel Up. The Card Game. Stéphane Bogan. La boîte est rigolote, mais les dromadaires ont l'air d'être totalement attaqué, hein, vraiment... Il y a des gens sous le dromadaire? Non, il n'y a personne, genre ils sont sous le dromadaire. Dessus, il n'y a personne, genre ils font leur vie. Non, il n'y a pas... il y a des bagages, mais je sais pas trop quoi. Très bien. Je ne connais pas Bretzel. Il lui fait de bouche à bouche à un bateau pneumatique qu'il prenait pour un noyer. Ça va être long. Mais tu es trop forte. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà, ivre virgule, ça commence en Bretagne. C'est vrai, c'est vrai. Et forcément. Puis, et puis, du coup, bateau Bretagne. C'est la mer. Non, c'est bon, c'est... Comme dans le jeu de base, Camel Up, 5 chevaux s'affrontent dans une course à plusieurs étapes. Oui, chameau. T'as dit chevaux. J'ai dit chevaux? T'as dit 5 chevaux. En plus, c'est pas du tout des chevaux. Non. C'est plus des lamas, hein. Ils ont pas tellement de boss. Celui-là, il a juste une grosse fourrure, mais... Ah, il nous envoie le lien de l'article. Le but de chaque joueur est de parier sur... Mais j'en étais sûr. Et de parier sur... J'ai lu suffisamment Topito pour le savoir. Non, mais vraiment, c'est vraiment marqué livre un breton. Bon, bah, bref. Le breton. Ok, bon, c'est un jeu de course de paris un peu comme les dans The Genius, le Ursus, là, j'imagine. Et du coup, c'est une réédition? Ouais. Camel Up Cards. Ou une extension, je sais pas trop. Non, une réédition du coup. Une réédition. Une réédition d'un jeu qui date de 2016. En tout cas, en termes graphiques, ça a l'air réussi. Ouais. Oui, il y avait plusieurs... Enfin, c'était tout 2016, quoi. Ouais, mais okay. C'est plusieurs éditeurs qui l'ont fait dans plusieurs pays. Du coup, il y a la version italienne, française et anglaise allemande. Et nous, on sait... Ah, je reconnais pas le logo Philso... Tu peux cliquer sur le 2016 quoi? Là, oui. Ouais, lui, ouais, l'éditeur... C'est Philo... Ouais, Philosofia. Philosofia. Eh, j'avais le début, je savais plus la fin du nom de l'éditeur. Et là, c'est Pretzel Game. D'ailleurs, c'est qu'en anglais. Peut-être parce qu'il est en anglais et que... Oui, là, c'est full anglais et peut-être qu'il y en a un qui va sortir. Je sais pas s'il y a une version française de prévu ou pas. Bah, peut-être, parce que oui. Là, visiblement... Ils se sont mis d'accord, les éditeurs. Là, tout est sorti dans toutes les langues, même en italien. Alors, c'est vrai. Il dure au Dika. Donc pas en français, mais peut-être plus tard. Voilà. Matago. Ah non, pardon, Cat in the Box. Bien. Désolé. Cat in the Box, il est archi choupi. Vraiment. Tu as envie. La boîte est cool déjà. La boîte, ça a fait, mais je crois qu'il était déjà genre, il est teasé depuis 1 million d'années ce jeu. Ouais. Ouais, genre peut-être même depuis Cannes, j'ai un souvenir. Ne me demande pas comment on y joue. Hein. Déjà en termes de marketing, il a quand même du potentiel, forcément. Mais en plus de ça, comment dire, c'est le chat de leur logo, quoi. Mm. Donc, ah, c'est vrai, oui. Tu vois, ils ont fait un... J'y pensais pas, mais c'est vrai. De leur nouveau logo qui... Je sais plus quand ils ont changé, mais c'est assez excellent. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. Un jeu de pli dans lequel vous définirez la couleur des cartes jouées. Ouais, comme n'importe quel jeu de pli, en fait. Mais je sais pas du coup si c'est une réédition ou si c'est... C'est un Uno, quoi. Je sais pas si c'est une réédition, si c'est parce qu'il y a l'air d'avoir d'autres jeux. Alors, on peut aller sur le site de Matago. Du coup. Hop. Magie. On s'en lasse pas. Hein. Non, j'aime trop jouer avec mon stream deck. News. Ouais. C'est une news. Tu es ressorti? Regarde, il est là, 20 octobre. Bon, on peut pas cliquer, mais il est là. Pas, oh, c'est beau ça! Il ne faut pas sortir le site. J'ai vraiment hâte de parler dessus là. Il ne faut pas sortir le. Oui. Enfin, fermer le site. Faut pas fermer le site. Apiary, il est beau celui-là. Ouais. C'est bon d'avoir Apiary, un truc genre hors d'air goût, un vieux jeu des années 70. J'ai l'impression que la date a été avancée du coup de Apiary parce que j'avais vu février moi de base. Alors, moi j'ai. Là je vois avant Cannes en fait. Oui. C'est la date marquée avant Cannes. Hein, mais moi, ça, justement, il me semblait. Bon, après, on va pas reparler des dates de Matago hein, parce que sinon je vais m'énerver. Du coup, c'était quoi? Bah, Cat in the Box, mais descends pour voir. Ah oui, tu viens. Pas dans le bon. C'est compliqué, hein. J'ai pas le clavier en face de moi. Là. Retour en novembre. Quand ça retour? Il est pas sorti encore. Bon, bah, il est déjà en rupture, visiblement. Ça va m'énerver. J'ai dit que je m'énerverais pas. J'ai dit que je m'énerverais pas. Pour donc, 27 € du coup? Ouais, ouais. 27 €. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur le site. Non, c'est vrai qu'en fait on n'en sait jamais rien. Hein. Ça se fait pas cette histoire. C'est technique, hein. 31, ça veut dire que c'est novembre. Mais en vrai, il est sorti depuis le 25 août. Mais il est disponible en... Non mais j'ai dit que je m'énerverais pas, j'ai pas en... on va pas s'énerver, j'ai pas envie d'en parler, En fait, toutes les semaines, on va revenir sur les mêmes sujets. Bon, bref. Bon, du coup, il faut spéculer sur les règles, donc moi j'imagine que c'est du Schrödinger Cats. Donc, qu'il faut imaginer s'il y a un chat ou non dans la boîte. Regarde, on va regarder là. Il faut jeter des cartes pour dire combien il y a de chats. Il y a la version de 2020, il y a plein de textes. Ah, c'est... Ah, mais c'est une... Ouais, c'est une réédition de 2020. D'accord, ok, qui était pas par Matago, du coup. Non. Ok, ok. Il y a plein de textes. Sur des idées de la mécanique quantique. Ouais, ça on était bien. Ils jouent des cartes de leur main de différentes valeurs, mais la couleur de la carte n'est pas déterminée tant que la carte n'est pas jouée et que le chat n'est pas sorti de la boîte. Donc tu joues des cartes et à un moment tu déclares la couleur. Isara nous a envoyé le lien vers des jeux avec des images du jeu par exemple. Tout de même. Bah oui. Plus précis que qui? Que Mayudo? Que Matago? Bon, coller deux tu me diras, mais... Mais c'est ça, en fait, tu balances, j'imagine que tu balances des cartes de valeur au début, puis à un moment, quelqu'un, quand il en a envie, ou à un moment précis, donne une carte qui définit la couleur, et dans ce cas, on détermine qui a la... quelques conditions pour poser la, la couleur, j'imagine. Ouais, du coup, il y a l'histoire du paradoxe, tout ça, le chat de Schrödinger. Voilà, c'est ça. Il est essentiel que toutes les valeurs et couleurs des cartes jouées soient uniques, sinon un paradoxe se forme étant sans autour. Bon, après il y a plein d'explications, mais du coup ça a l'air d'être un peu ça, et en vrai c'est sympa. Oui, c'est un petit jeu de pli. On avait créé, avec qui on avait créé un petit jeu pour The Genius qui était... C'était pas ça. C'était aussi ça, sur le chat de Schrödinger, ça me fait penser à ça. Ok. Ok. Bon. Par contre, quand est-ce qu'il sort? Là, c'est marqué 20 octobre, mais si ça se trouve, c'est n'importe quoi. Bah, c'est retour en novembre, mais c'est sorti en novembre, mais c'est sorti en août, et c'est disponible en octobre. Écoute. Je suis pas m'énervé. J'ai dit que je m'énerverais pas. Je suis déjà un petit peu énervé quand même. Okay. Des souvenirs plein le ciel. La boîte, je la trouve belle, hein, incroyable. Je l'ai vue, c'est moi qui ai ajouté cette fiche, et j'étais en mode. Oh. C'est du enfant. Toi qui as ajouté cette fiche? Tu as une médaille. Ouais, mais vraiment, j'ai. Ah ouais, ma médaille, ouais. Ma médaille en taux. On est con. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as perturbé. Oui, du coup. La boîte est belle, c'est pour les enfants. Ouais, c'est du enfant, je crois, 5 ans. Moi j'avais pas ces jeux-là quand j'étais gamin. Ouais, non. Vraiment, les deux, ils sont trop beaux. Ouais, c'est ça, 5 ans et plus. Donc, Space Co, qui est du coup la branche enfant de Space Cowboy. Voilà, je sais pas quoi dire. Naviguer dans les méandres de la mémoire avec des souvenirs plein le ciel. C'est un jeu de mémoire. Un memory, en gros. Sur votre fidèle bateau de papier, voler de nuage en nuage pour retrouver les souvenirs inestimables. Et bien plus qu'un jeu, c'est une quête émotionnelle pour aviser les précieux moments d'autrefois. Oh là là. Ok, donc ça a l'air d'être axé mémoire. Plutôt. Collection, réflexion. Ok. Voilà. Petit jeu enfant. C'est bien, parce qu'on pouvait voir peut-être un peu de contenu. Tu peux tester sur le site de Luminis, oui, ou aller sur Space Co. Ah, ou aller sur Space Cowboy pour avoir accès au site. Ah, c'est vrai. Ou sur Luminis, du coup. Comme tu veux, comme ce qui est le mieux. Plein le ciel. T'as mis un S à plein. Ah, c'est vrai. Ils ont pas de site. Est-ce qu'on n'a pas de site? Ou alors il est très 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 mal référencé. Si, il y a spacecow.fr, il est là. Bah oui, bah là-dessus. Il est juste extrêmement mal référencé. Et du coup, il n'y a même pas de barre de recherche. Let's go, vraiment on passe un très bon moment. Et ça ne parle pas des jeux qui ne sont pas encore sortis mais qui vont sortir. Nos jeux, il y a nos jeux. Mais on y est. Là il y a tout là. C'est un bon jeu pour éviter l'Alzheimer précoce. Bon, écoute, va sur le Dume plutôt. Peut-être. Bah, c'est juste pour avoir un peu la gueule du matériel, parce que comme c'est joli, on veut bien savoir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Oh. C'est un gros plateau. Pour 20 euros. C'est trop choupi. Pour lutter contre l'Alzheimer précoce quand même. C'est joli, c'est un peu le bordel mais c'est joli. Ça fait un peu Candy Crush, genre plateau Je sais pas où tu pousses et... Pas Candy Crush, le jeu avec les fruits. Oui, si, mais... Les tas de chiffres et tout, je sais pas trop. Je vois pas trop comment ça peut se jouer, mais ça a l'air bon, ça a l'air sympa. Ouais, les designs sont incroyables. Dans la boîte, il y a un jeu, par exemple. Mais oui. Ok, bon. Bah... Je sais qu'il y a un jeu, non, merci. Ok, bon. Les gens, ils ont du lourd, ça vu, hein. Ça faut pas faire. Ça faut pas fermer. On y va pour avoir autant d'informations. Oui, on peut fermer, hein. Ouais, donc... Ah. Alors, le suivant, il s'appelle Dino-Blivion. Boum boum, dinosaure. On va plus vite, là, hein. Ouais, ouais. On a pris le coup de main. On prend l'expérience. Dino-Blivion... termine la musique comme la dernière fois. Dino-Blivion, c'est une réédition aussi. Il y a beaucoup de rééditions. Voilà, j'ai pas d'autres... Qui l'éditeur? Je vois pas. Tout en bas à droite, mais... C'est Goblivion Game. Goblivion. Inconnu et Bataillon, ils ont l'air d'avoir un super logo forgé dans le glacier. Mais oui, mais c'est pas... Ils ont fait Goblivion, en fait. Ah oui, non, c'est pas une réédition, pardon, c'était la version qui sort en boutique. J'ai dit des bêtises. Donc le nom de l'éditeur, c'est le nom de leur jeu. Ouais, exactement. Ils ont fait Goblivion et maintenant ils font Dino-Blivion. C'est ça. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il y a à lire là-dessus. C'est fini, c'est un jeu avec des dinosaures. Paf, boum, boum. Peut-être un truc à la préhistoire, mais sans la partie où tu peux dans les cavernes. À chasser, à agrandir votre plan, c'est de la gestion de ressources, ouais. Comme on connaît bien, construire des totems, donc... gérer des ressources et construire des trucs, chasser des machins pour faire des points. On a l'air d'être dans quelque chose d'assez basique. Il y a l'air d'avoir du deck building d'après les tags qu'on a mis. Donc de la création de deck. Des pouvoirs avec voilà, des chefs de clan qui ont chacun un petit pouvoir. Voilà. Donc pour le coup, ça a l'air d'être une stratégie assez... C'est du 2 joueurs uniquement. C'est du 1 contre 1. Ah, c'est du 1v1. Okay. Ouais. Ou du 1v tout seul. Ouais, visiblement tu peux jouer tout seul, mais du coup voilà. C'est que du 1v1. Ouais, okay. C'est étonnant parce que la boîte paraît assez grande. Ouais, c'est étonnant parce que ça a l'air de. Je sais pas, ça avait l'air d'être. Dit comme. Écrit comme c'était écrit, ça avait l'air d'être assez accessible, genre pour 4 ou 6 joueurs, tu vois. Mais non, du coup, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je le précise parce que j'ai vu qu'il y avait que 2 plateaux joueurs, donc c'est vraiment. C'est vrai qu'il y a du matériel pour 2 joueurs. Hein. Ouais, bah, 128 cartes pour 2 joueurs, ouais. Ça cause, hein. Ça cause un peu. Mais après, tu vois, le prix accessible pour un jeu de joueurs, 25 €, c'est ok quoi. Pourquoi pas, oui. À voir, à voir, à voir. Moi je suis moyen, ouais, je suis moyen convaincu, mais... En fait, à la description, j'ai l'impression qu'on a déjà... Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de très original, très innovant. Le design me plaît pas particulièrement, mais on va dire un petit peu soin. Il y a un bonhomme dans la bouche. En fait. Il est en train de manger le... Ouais, lui, il est mal barré, hein. Bon. Non mais je suis... ouais, voilà. Pas trop aidé. À tester à l'occasion, pas trop aidé. Empire Aims. Ouais. Qui est un Kickstarter. Ça n'a pas du tout... Si, c'est juste qu'il faut fermer l'autre onglet. Empire Aims, la boîte, je la trouve très travaillée. Oui, en fait, de loin, ça paraissait une jaquette très très moche des années 70, mais en fait, il y a une ouverture et tout, en fait, c'est plus propre que ça. Hein. C'est ça, de loin, on dirait pas que c'est comme de près, voilà... Ouais, quelle déclaration de loin, c'est pas comme de près. Wow. Tu sais, c'est comme les images que quand tu regardes de loin, tu vois Einstein, et quand tu regardes de près, tu vois quelqu'un d'autre. Tu connais pas ça? Une chaîne Einstein. Ah, Einstein. Genre, de loin, c'est Einstein, et de près, c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. C'est Harry Potter. Genre de près, c'est Harry Potter, de loin, c'est Einstein. Ok. Tu connais pas? J'ai changé Einstein, mais d'accord. Mais genre vraiment, c'est en mode illusion d'optique. Et c'est impressionnant du coup, parce que de loin, c'est vraiment Einstein et de près, c'est vraiment Harry Potter. Voilà. Je vais jouer avec cette vis pour me garder confiance. Bon, Empire's End. Tu veux, oui. La boîte est stylée. Pour 2 à 4 joueurs, il y a un poney pour une partie d'une heure qui coûte 36 €, ça a même pas l'air si cher que ça. C'est le prix du Kickstarter. Ah ok, ouais, d'accord. C'est pas le prix de la version de boutique. On probablement compter entre 40 et 50, j'imagine. Souvent ils font 10% les caisses. Plus terrifiant grande civilisation. 2 à 4 joueurs s'affrontent pour maintenir la calamité à distance. Un mécanisme intuitif et élégant de l'enchère inversée avec la construction de moteurs. Tout à fait. Très bien, qu'est-ce que ça veut dire? Si, construction de moteur, ok. Oui, enchère inversée. Planification, profondeur stratégique, d'accord. Enchère inversée, c'est faut miser le plus petit pour gagner? Parce que... enchère inversée, je crois que c'est... t'es prêt à perdre, peut-être. Ah oui, en gros tu mises plus. T'es pas prêt à gagner, ouais. Mais t'es prêt à perdre. Tu mises plus pour ne pas perdre quelque chose. Ok, oui, oui. Un peu comme c'est quoi ce jeu de faiseur de roi infâme là? Non, 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 non. Avec des jetons là. Au bout là, rachet de fou, je sais plus. Je retrouverai pas. Bon, tant pis. C'est quoi un jeu faiseur de roi avec des jetons? Ah, Citadelle. Non. Citadelle. Ah, les verragers, je crois. Non. Ah, No Thanks, bah voilà, il est là. Ah. Vraiment, j'ai posé les yeux. Voilà, c'est No Thanks. Dans le style du jeu classique moderne, No Thanks, les ressources mises aux enchères par tous les joueurs finissent dans les mains du joueur qui prend la carte désastre. Donc en gros, t'as une carte négative, les joueurs misent pour ne pas l'avoir et quelqu'un qui... finalement se dit non c'est bon je veux pas plus miser ou qu'il ne peut pas, et bah du coup il prend la carte des as mais il gagne quand même les ressources qui ont été misées par les joueurs pour lui permettre de se refaire, et du coup ça m'inquiète parce que ce mécanisme là il est pourri. Oui, alors à voir si c'est bien maîtrisé, mais en fait c'est pas forcément que c'est pourri, mais du coup c'est très rageant parce que du coup tu te prends à voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs là, il y a 2-4 joueurs donc c'est peut-être plus maîtrisable. Mais c'est vrai que du coup c'est compliqué, ouais la mécanique elle est spéciale quoi. Genre faut aimer perdre, faut pas être du tout mauvais perdant et... le problème dans No 5 c'est que quelqu'un qui a perdu peut décider par son choix de savoir qui va gagner en fait. Oui. Et du coup les joueurs qui vont gagner n'ont pas tellement la main là-dessus et du coup le deuxième peut ressentir une très très grande frustration. Ils peuvent avoir une très très grande frustration. Et du coup... à voir comment c'est géré là-dedans, hein, c'est ma plus grosse crainte. Si la stratégie prend quand même le dessus, c'est bien. Mais c'est ça, en fait, voilà, l'enchère inversée, c'est ce truc-là. Les gens misent pour ne pas récupérer un truc. Ouais, ouais, ok. Voilà. Sinon, j'ai l'impression qu'on est dans du Seven Wonders, du Seven Wonders. Ouais, c'est complètement classique. Que 4 joueurs, hein. Mais je suis d'accord. Mais voilà, en dehors de cette phase de No Thanks, du coup, on a de la gestion de ressources, des phases de production. Des phases de planification, voilà, progression, phase d'industrie, une victoire, une phase militaire. On a vraiment un séquencement comme on connaît dans n'importe quel jeu, on va dire moyen de stratégie qu'on connaît actuellement, comme on faisait à peine ou Seven Wonders ou des trucs avant. Il y en a beaucoup qui existent et qui ont existé. Ouais, tout à fait. Donc intéressant au moins à tester. Mais moi, je vous avoue que ça me fait assez peur, quoi, ce genre de truc. Pour voir si la stratégie prend quand même le dessus. Ouais, c'est ça, il faut à lire les règles déjà, il y a des coups. Ouais, petit jeu suivant, la toupie acrobatique. Alors. C'est un jouet, ça, non? Oui, mais en vrai, c'est alors. La toupie acrobate. Acrobate, pardon, pas acrobatique, acrobate. Parce qu'en fait, du coup, tu as un circuit à faire. Genre. En toupie. Ouais. D'ailleurs, faudra créer une gamme parce qu'ils sont compatibles avec les autres jeux et on n'a pas fait la gamme, mais. Je ferai ça, et toupie voyageuse. Et en fait, je crois le but, t'as le livre, en fait, tu dois vraiment mettre ta toupie et faire le trajet en tournant la toupie comme il faut. Mais c'est-à-dire. Genre, tu tournes la toupie et genre, il faut faire le trajet. Pas dire, c'est très clair. Mais ils ont pas leur site. Oui, bah ça va. N'importe quoi. Toupie acrobate. Oh là là, qu'est-ce qu'on va tomber. Non, c'est bon, on va le trouver. Je sais pas si le game a des images. Je pense qu'il faut une. Il en a une. C'est pas une image. C'est une image, mais. Oui, bah ça aide pas tellement. Ferme pas, fais retour. Non, retour. Faut faire de la kinésie de toupie. Oui, bah. Ouais, en fait, c'est ça, c'est comment tu le maîtrises le machin. Regarde, il y a une vidéo YouTube. Tout en plus bas. Là, ouais. C'est un tutoriel. J'ai très peur. Je sais pas, attends, je coupe le son. Ah, bah c'est plus clair comme ça. Bon bah voilà, c'est bon, j'ai pas besoin de regarder plus, je veux dire, on a compris. Vous avez tous vu ou pas? C'était rapide. Hein. En gros, il bouge son cahier. Ah là, il jump. Ah oui, il faut jumper et tout. Ah oui, donc oh, clairement, le machin, on est d'accord. Attends, je vais voir plus, moi. Pourquoi il dessine? Ah oui, tu fais ton circuit avant. Ah, c'est toi qui fais ton circuit. Oh. Mais c'est stylé, en vrai. Bon, moi, j'aime trop. Mais 100% le machin, il finit par terre flingué au bout de 3 essais. C'est public pour ceux qui étaient nuls au combat. Oui, c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop classe. Bon, j'ai toujours pas fini mon perplexus, d'accord. On retourne sur ton perplexus, j'avoue. Mais du coup, tu fais ton schéma toi-même et tout, c'est stylé. Et du coup, c'est compatible avec d'autres jeux du genre. Ouais, très bien. Okay. C'est public pour celui-là. Bon, c'est rigolo. C'est simple, efficace. Petit cadeau de Noël sympathique, je pense. Secret Santa. Ouais, en vrai. Ok. Legendary Encounter, The Matrix. Très bien. Je le prononce pour que t'aies pas le faire. C'est sympa. Je sais dire Matrix, mais... Ça me semble inspiré d'une certaine franchise. En même temps... C'est un jeu de deck building. Donc en fait, Legendary Encounter, c'est une gamme avec... Oui, Tom. Mais en fait, il faut savoir du coup que... Bah déjà, c'est Upper Deck. Voilà. Mais Legendary Encounter, c'est une gamme de gros jeux, tous, les uns et les autres. Tous en anglais. Tous en anglais, il n'y a pas de français pour le coup. Où bah, ils ont des licences. Ils ont tous fait quoi, une licence, ouais. Et ils jouent autour pour faire du deck building. Alors après, dans les grandes lignes, je ne sais pas du tout les règles. Mais donc voilà, c'est un jeu... Je crois que c'est en... Enfin, je sais pas, ouais, je crois que c'est en coop. Deck building en coop pour taper les autres, je suis pas sûre. Je sais pas, en fait je sais rien. Je pense que c'est l'opposition ou pas. C'est marqué affrontement, rôle secret et coop, alors... Ça a l'air plus d'être de la coop, j'imagine. Parce qu'ils ont tous le but de sauver la race humaine de l'extinction, blablabla. Peut-être un semi-coop. Mais affrontement contre les monstres, peut-être qu'il y a un peu les deux. Oui, peut-être qu'il y a les deux, avec chacun a des objectifs particuliers. Je sais pas plusieurs trop. Modes de jeu aussi, un mode chacun pour soi, un mode coop. Parce que vu le prix, il doit y avoir des règles et du matos. Ouais, je me file un peu, mais ouais. Est-ce que tu peux aller sur le Ludium avec le bouton Ludium? Qui est juste... Non. Non. Là, t'as le bouton rouge. 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 Appuie sur le rouge. Nous n'avons pas d'image. On n'aura pas plus de matériel et on n'aura pas plus de... Pas plus d'informations, malheureusement. Pas plus d'infos. Ouais. Ouais. Bah, que dire, moi ça me paraît... En fait, pour avoir un jeu de deck building, ça me paraît cher. Ouais. Après, pourquoi pas, j'ai l'impression qu'on paye quand même beaucoup plus la licence ici que autre chose. Bah, Upper Deck... C'est le style de Upper Deck, on va dire. Il me parle ce nom, mais pas en bien, je sais pas. Ah. Non oui. Mais je sais pas trop pourquoi, mais... Moi aussi ça me parle, hein. Bah, il est réduit les Digimon, évidemment. Ouais, ils font beaucoup de TCG, ils ont des licences en fait. Je crois que c'est un... Lorcana, pourquoi Lorcana? C'est une compagnie américaine de fabrication de cartes à collectionner. Ah mais oui, c'est ceux qui étaient en conflit avec Lorcana. C'est ceux dont l'auteur il s'est barré pour aller à Lorcana. Oui, ok. Non, oui, si. L'auteur il s'est barré avec les plans en gros de Upper Deck pour aller les vendre à Lorcana. Enfin, et du coup, il y a le. Il y avait un procès entre les deux. Il y a toujours un procès entre les deux. C'est ça, c'est les deux qui sont frités. On ne sait pas si. Ça y est, ça me revient. Ça me revient. Je savais que ça me parlait aussi, ça me disait un truc, mais je savais plus non plus pourquoi. On ne sait pas si jamais l'auteur s'est vraiment barré, si. Enfin. S'il y a vraiment eu un spectacle et tout, mais... C'est une ébauche concernant le sport, comment ça... C'est-à-dire... Parce qu'ils font beaucoup de cartes à collectionner, baseball, basket, football américain et tout. Regarde, ils ont commencé avec la course automobile, c'est pour ça. C'est ça, oui, du coup c'est eux, c'est pour ça que ça nous parlait. Je sais bien que ça me parlait et que... Pas en bien, bah parce que... Mais du coup, je volais sur leur site. Ouais, ça du coup j'en sais rien, non mais... C'est un biais du coup que j'avais, mais... de l'argent pour lui, apparemment. Surtout il est en procès. Hein. Je trouverai pas ce que je veux là. Je vais pas. Boum. Il est bien fixé là. Boum. Je ne trouverai pas ce que je cherche, je pense. Le site m'a l'air spécial. Ouais, c'est. Oui, non. Game en collectible? Pas du tout. Waouh. Mais après, ceci dit, pour remplir ma vidéo, il y a toutes les images et tout. Ah, là. Ah, il y a des cartes. Oh, il y a un tapis. Eh, il y a le tapis de jeu dedans. Ce qui peut justifier le prix. Oui, j'accepte. Dehors de ça, je trouve pas les cartes très lisibles, mais on voit pas beaucoup de matériel, donc on peut pas trop dire. Pas plus d'images. Non. Non, y a pas... Bon. C'est bon. Hein, on va passer, mais bon, moi ça me paraît, moi ça me paraît un peu cher. Et j'ai l'impression voilà, qu'on paye beaucoup plus la licence que le reste, mais j'ai l'impression que c'est clairement leur fonds de commerce. Hein, leur fonds de commerce, ça a pas l'air d'être tellement de faire des jeux. Ils allaient faire leur canal, ouais. Donc, du coup ils voulaient peut-être la licence Disney pour le faire. En fait. Bah, en vrai peut-être. Hein, ouais, non, mais probable. Il y a un monde où c'est chez Upper Deck, mais. Donc ouais, ils payent les licences et bah, pour être rentable, quand t'achètes une licence, il faut le revendre parce que faut mettre la licence dans le prix, sinon tu t'en sors pas. Suivant, je l'ai déjà mis. Ah. Vraiment très efficace. Lynx. Lynx. Par Matago. Fabrice Puléo. 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 C'est quelque chose, sinon. Voilà, donc un petit jeu tout blanc. Comment jouer avec une faute? Je vais voir un truc. Je vais voir si... Non, c'est pas eux. C'est Matago? Oui, non mais... Quoi? C'est pas eux qui ont écrit comment jouer. T'es sûr? Je pense pas. J'ai vu des trucs qui étaient copiés. Tout à l'heure, c'était copier-coller. C'est là. Ouais. En vrai, le 8 mars. Nous sommes un peu en avance. On est en avance, non? Parce qu'il y a marqué 8 mars 2024. Ah ouais. Oui, bon. J'ai rien dit. Remarquez que j'ai rien dit. Je ne fais que soulever. D'accord? Non, mais dans les deux premiers mots de ton article, quand même, tu peux au moins. Non mais ils n'ont pas le droit d'électeur. J'ai oublié, okay. Pas le budget. Du coup, bon. Je disais, nous sommes en avance parce que j'ai vu que ça sortait le 8 mars 2024. Donc je ne sais pas... Attends, pourquoi est-ce qu'on a mis 20 octobre? Allez, allez, on rigole. Attends, il y a encore une date au-dessus là. Donc ça c'est 8 mars 2024. Là... Ah, il n'y a plus rien, ils l'ont enlevé. Ils ont compris, ils ont peut-être vu. Hein. On les a fait plier. Mais du coup, je sais pas d'où on le sort le 20 octobre. Donc on en reparlera le 8 mars 2024. Hein. Effectivement, est-ce qu'on va vraiment en parler maintenant? Ouais, mars 2024. Mars 2024 aussi? Bah ouais, sortie mars 2024, c'est fait. Remonte. Là, précommande. Ah oui, effectivement. Bon. Il y a Isara, elle a actualise. Oui, elle a changé la date, je pense. Ah, très bien. Voilà, donc du coup nous disions... Non, pas octobre, bah non. Qu'est-ce qui fait mal aux yeux? Je sais pas ce qui fait mal aux yeux. Ah, la faute, elle a corrigé, elle a mis comment jouer. Ah, ça, non mais bien, attends, ça. Je vais en trouver une autre. Ça c'est bien. Bah, par exemple, là, ici, il y a ER, mais... Alors, ce qui n'est pas faux en soi, mais à suivre, visiblement, dans le contexte, là, il y a EZ, donc... Donc du coup, oui. Oui, c'est joué. Et là, il y a ER. Très bien, allez, on a tout. Si c'est impossible, passez votre tour. Si c'est impossible, mangez votre tour. Mais non, mais c'est possible si c'est vraiment genre une suite d'instructions. Si c'est impossible, mordez votre tour. Mais si c'est une suite d'instructions, ok. Oui, genre comme un algorithme et tout, mais la phrase juste avant, ils disent vous devez placer EZ. Bah, de toute façon, si c'est possible, passez votre tour, c'est EZ. Et tout le reste, il parle de EZ. Oui, donc jouer et passer, c'est EZ. Bon, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Non, mais... Et du coup, j'ai pas envie d'en parler puisque ça sort en mars. Allez, hop, voilà, suivant. Donc du coup, donc voilà, on a dit... Bon. On y reviendra en mars. On y reviendra en mars. Si on tient toujours les lives d'ici là. Oui. 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 Non mais regarde, en mars, ce qui est bien, c'est que début mars, on pourra faire notre retour de Cannes. Et ça va être stylé. On pourra même le faire à l'hôtel et tout. Tous les soirs, tu sais que les gens ils font ça, hein, le soir ils rentrent à l'hôtel, ils font un débrief live, ils sont trop chauds. Hein. Non, nous on fera ça à la fin parce que là, le soir j'ai envie de manger et de dormir. J'ai pas envie de faire des lives. nous allons parler... Je suis fatiguée. Luminis, la boîte Luminis. L'image est petite. C'est Don't Panic Games. Oh, merci Zara pour la photographe quand même, ça fait plaisir. Luminis, par Don't Panic Games. Une course effrénée vers le sommet de la cathédrale. Il faut la construire étape par étape. Ne laissez aucune chance à vos adversaires. C'est le premier à poser la flèche de votre cathédrale. Wow. C'est joli. De votre cathédrale. Donc chacun construit sa cathédrale et on doit aller... oui. C'est vraiment beau. C'est joli, hein. T'as une flèche sur le côté. Donc fermé et ouvert. C'est... Hein, c'est chargé. C'est joli, mais chargé. Mm. Avec des diamants et tout. Ah d'accord, et on forme un peu comme ça la cathédrale, en respectant peut-être des règles de pose avec les couleurs qu'il y a. En vrai, c'est beau. Moi j'aime beaucoup. On peut pas zoomer là-dessus. Non. Avec un contrôle molette. C'est la même chose, c'est le même texte qu'il y a. Non, c'est... Donc on peut foutre le faux cathédrale. Calme-toi Céline. Ce n'est pas Notre-Dame. Aïe aïe aïe. Mais c'est joli. Non, franchement, c'est... Bon, une profondeur tactique qui rend chaque partie différente. On va peut-être pas déconner non plus en termes de matériel. Alors, on n'a pas les infos, mais il n'y a pas l'air d'en avoir non plus 300 000. Non, mais c'est très joli. J'imagine vraiment qu'il y a des règles de pose, en fait, sur les... Il faut peut-être faire une forme particulière. C'est donc ça, le plan de Macron pour faire une cathédrale en 2 ans. De jouer à Luminis. De jouer à Luminis pour s'entraîner. Et... Mais ça n'a pas l'air moche, ça n'a pas l'air vilain. Ça doit être... En fait, ça, c'est le dos de carte et ça, c'est la face. Ça, c'est les ressources qu'il faut, voilà, pour la construire. Ça, c'est ce que ça donne un peu à la... On dirait un peu un Splendor, en fait. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, pour indiquer où est-ce que ça doit être construit. Ok. C'est une cathédrale en carton. En papier. Mais en gros voilà, et j'imagine c'est un... Alors je vois pas les ressources, mais c'est du Splendor. Hein. Regarde, oui, on voit les paquets de cartes là avec les différents niveaux et tu viens poser ta flèche une fois que c'est bon. Donc, non mais c'est choupi. Pour moi c'est du Splendor. Très belle boîte de Splendor donc. Comment tu parles mal? Accompagné de magnifiques illustrations par Bastien Gel du coup. Je sais pas trop ce que ça fait, mais ça va plutôt bien. On fait pas la guerre dans Splendor. Il a juste fait sympathique. Non mais, par contre, Splendor, on pique les ressources des gens. On fait la guerre indirectement. Ok, plutôt sympa du coup. Mm. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi le design... Mafia de Cuba. Réédition. Ouais, réédition ou standalone? Réédition. Full réédition. Ouais, je crois. Avec une mécanique de jeu encore plus dynamique, pardon. Et découvrir plein de nouveaux personnages, pardon. C'était créé. Ok, donc peut-être pas une réédition, mais peut-être vraiment un jeu à côté dans la même gamme. Ouais, mais c'est quand même une réédition parce que les... Comment dire... T'auras des personnages en double, sinon. D'accord, ouais, ok. Genre, c'est une boîte vraiment pas standalone, tu peux pas les mélanger entre elles. D'accord. Voilà. Ok, mais oui, du coup, le jeu est sympa. Donc Mafia des Cuba, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du bluff, roll caché. Ah, c'est purement bluff, roll caché et élimination. Ouais, les tags sont précis, ils sont bien. Mm. Mais en gros, il y a un parrain qui met des diamants dans une boîte, qui est la boîte du jeu en fait. Et ensuite, chacun son tour. Les gens prennent la boîte, ils l'ouvrent secrètement de leur côté et ils piochent soit un rôle qu'il y a dedans avec un jeton, soit des diamants. Et après, le but du jeu, c'est quand la boîte revient au parrain, le parrain doit déterminer qui lui a volé des diamants, qui a quel rôle, etc. Mm. Et de ce fait... Voilà. Voilà. Du coup, le but du parrain, en fait, c'est de retrouver tous ceux qui lui ont volé de la thune, et le rôle de ceux qui ont pris un jeton, bah, c'est d'accomplir leur condition de victoire particulière. Mm. Et ceux qui ont volé des diamants, bah, c'est d'être le dernier quand elle volait plus, qui s'est pas fait choper, quoi. Mm. C'est ça. Donc c'est sympa. Bon, faut vraiment aimer le bluff, c'est très particulier. Mais c'est sympa. Le concept est sympa. Le fait de piquer des trucs dans une boîte. Le problème, en fait, c'est que quand t'es dernier joueur à prendre des options, il y avait une espèce de règle qui était un peu bâtarde en mode bon, allez, tu peux pas t'éliminer, mais t'as pas gagné quand même, quoi. Mais voilà, du coup ils ont l'air d'avoir changé pour rendre le jeu plus dynamique encore et des nouveaux personnages pour plus de rejouabilité probablement. Ouais, il y a un style, c'est sympa. Ouais. Lui qui est en full triche actuellement, mais avec des cartes dans sa manche. Lui qui est en train de passer un très mauvais moment. Il est en train de se faire défoncer. Il est en train de se faire voler. Oui, il se fait vraiment piller lui. Mais voilà. Pour 14 €, en vrai, bon prix. Très très bon prix je trouve. Voilà. Donc voilà, petite réduction sympathique. Nous allons passer à la suite avec Nekojima. Kickstarter. Donc du coup, Kickstarter, c'est un Kickstarter qui sort et auquel non, on peut plus contribuer. Du coup. Non, on peut plus contribuer, là il est fini. Et en fait, la date, c'est normalement... Les gens le reçoivent à peu près à cette date-là. Ouais, c'est ça, les gens... Mais il n'est pas en boutique, alors forcément. Alors ça dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Là, je ne sais pas s'il y a une sortie boutique, je crois que oui. Je suis même quasiment sûre qu'il y a une sortie boutique. Mais souvent la date, c'est les dates où les gens les reçoivent. On met la date de la sortie boutique ou quand les gens le reçoivent en gros. C'est un peu compliqué. Ok. Donc Nekojima, du coup, c'est l'île des chats au Japon. Enfin, c'est une île qui est réputée pour avoir plein de chats dessus. Et du coup, c'est le jeu l'île des chats, mais au Japon. Voilà. Non, je crois pas. Je sais pas en fait. Un réseau électrique se développe pour alimenter les différents quartiers animés de l'île. L'installation des poteaux électriques se complexifie en raison de l'étroitesse du territoire et de sa curieuse population de chats se baladant sur les câbles. What? Les gens sont particulièrement énervés. On a très peu d'infos du coup. On va aller voir sur le Kickstarter. On a une image ici. Oh wow. Quoi? Oh, le matos c'est incroyable. Il est quand même. C'est incroyable. Ah, je vais voir comment ça y est. Non, tu peux aller sur le Kickstarter directement du coup pour voir. On aura plus d'infos dessus. Alors, ouais, c'est trop bien. J'adore le matos. C'est vrai qu'ils sont étapés. Ce qui explique probablement le prix du coup, parce que c'est pas tout à fait. Il a combien le prix? Donc, ça, c'est le plateau pour tout le monde, hein. 45 €. Vrai, 45 € pour un plateau en 3D comme ça, c'est pas cher, hein. Blanc, bleu, rouge. Mignon. On verra pas trop de vidéos, j'imagine. Il y a tout en haut, il y avait une vidéo d'introduction. Ah oui. Tu coupes le son? Tu peux le mettre. Je le mets à moitié, tu me dis, mais pour l'instant, de toute façon, ça s'est balancé. Voilà. Welcome to Nekojima, the Cat Island. Très bien, je laisse comme ça. Here, you will need to show ingenuity and dexterity to electrify the four districts of the island. On va plus avoir. Not as easy as it may seem. Let me show you how it works. Let me show you. Roll the dice to determine the location. Draw a cube and choose electric poles with a cable of the same color. Install them. Once it's done, insert the cube into the level counter. You bear short circuits. Ah, c'est un jeu d'équilibre. C'est trop bien. C'est un jeu d'équilibre comme Highway quelque chose. Ouais. Le jeu que Nako déteste parce qu'il fait tout tomber à chaque fois, c'est insupportable. J'aime trop ces jeux. Mais en gros, oui, tu dois... Oui, c'est un jeu installateur. En gros, tu dois installer des poteaux. À chaque fois, les deux poteaux, tu vois, ils sont reliés par un cordon comme ça et ils sont sectionnés ici. Et tu dois les poser, les assembler. Une fois que tu as posé, tu peux gagner un cube qui te fait progresser ton niveau, peut-être avec des règles particulières. Mais si tu fais tout tomber, bah... Il faut et rajouter des chats par-dessus, parce que bon... J'imagine plus tu le mets haut, plus ça te rapporte 2 points. Je peux pas en coop, elle nous dit, là. Et là, les chats sont morts. Hi, I'm Karen. Enchantée, Karen. Ah, je crois la connexion, elle a lâché. C'est bugué. Oh, en coop, ça peut être marrant. Ça a l'air incroyable, ça a l'air bien, en vrai. Hein. Ça a l'air marrant. On a bien des jeux de dextérité où il faut balancer des trucs, mais si on a Ninja Academy d'une certaine façon, mais c'est pas que Strong and Durable Material. Ah, il a dit que c'était vraiment cher. Ah, il a dit que c'était cher. Il a dit que c'était vraiment expensive. Beautiful, strong and durable material. The process durable material is very expensive because of all the game content. This is also why we need your support to bring Nekojima to life. C'est vrai que c'est anglais, mais on... Enfin, vous parlez peut-être pas anglais, hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai aucun problème donc. Mais moi ça va, je comprends avec le souvenir. Ça flex hein, mais. Et pourtant je suis une bille donc normalement. J'ai l'impression que c'est un anglais basique. Quand oui, même. Mais il faut quand même. C'est vrai. Faut quand même faire l'effort de traduire. Je pense c'est quand vrai. Même mieux. Ouais. Bon, du coup en gros ils disent qu'ils ont besoin de l'aide des gens de Kickstarter. Ils disent que le process c'est très très cher parce que la qualité du matériel est vraiment cool. Ils veulent absolument du bois et donc du coup bah le bois ça coûte cher. Je vais couper à chaque phrase éventuellement pour traduire. Bon, traduire en temps réel. Si vous êtes intéressé par le projet, on peut les supporter. Et backer Nekojima. Ça va. Collector Pledge, ça va. Vous pouvez participer, mais c'est trop tard. Voilà. Du coup, les extensions, les trucs du vol. Toutes les copies sont uniques, c'est pas de signe dedans. Les boîtes sont numérotées, du coup. Voilà. Pour les besoins de l'aventure. J'ai l'impression qu'ils sont français, non? Franchement, ils ont un bon accent comme moi en fait. Ils ont un bon accent comme nous et en plus de ça, les mots en anglais sont très très compréhensibles, tu vois, c'est du très simple. Genre même moi j'ai tout compris. Voir juste voler un moquet dans un parc public, non mais Céline. En tout cas, ça a l'air sympa. J'aimerais beaucoup tester. Ouais. L'acheter peut-être pas, mais beaucoup tester. Céline, elle veut faire ça avec des baguettes. Ça a l'air marrant quand même. Il a l'air cool. Ouais. C'était Nekojima du coup. Il est beau. Franchement, il est classe. Il est joli en plus. Ouais. Il est bien. Ouais. On peut fermer. Et suivant. Deuxième ligne. Let's go. Nucleum qu'on ne fera pas parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Ouais, les deux Nucleum on en a parlé. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était dans un style purement steampunk. La boîte est petite. Ah oui, avec de la. Oui, c'est ça. On avait dit que ça ressemblait vachement au jeu. Square quelque chose. Ouais. Je ne sais plus. Quadropolis. Voilà, Quadropolis, mais du coup, c'est tu construis tes usines, tu les alimentes en électricité, tu gagnes des points, etc. C'est un jeu allemand, donc c'est un jeu à points. Je crois que c'était il y a 2 semaines qu'on en a parlé, donc voilà, vous pouvez aller voir le replay. Le replay qui est sur ma chaîne YouTube. C'est bien, ça nous donne des occasions de parler des replays sur YouTube. On force même pas. Hein. On force un petit peu quand même. Ça va. Perspective. Comme des gens qui pensent plus que ça. Hein, mais... Perspectives. La boîte est particulière. Ça fait un peu Project L. Mais ouais, je suis d'accord. En bordel. En bordel. Je parle trop mal. C'est de la résolution d'enquête, exactement. Je trouve que c'est le même éditeur, même auteur, même tout. Space Cowboy, après je sais pas trop. Mais effectivement, on a l'air dans le style de ce jeu-là. Project L, du coup, perspective. Coop, déduction, ouais, résolution d'enquête à base d'images, ok. Que je regarde l'auteur, peut-être. Ouais, vas-y. Il y en a 2. Dans lequel celui qui a une image. Celui qui a une image, oui. C'est un joueur qui fait... Oui, ok, il fait beaucoup d'escape. Il a fait Cozy Casa. Il a fait les Bubble Story, il a fait les Echoes. Il a fait des exits, ouais, c'est un mec qui fait beaucoup de jeux. Mais du coup... Il a fait Next Station London. Particulier. Il fait du tout, c'est fascinant. Comment tu peux faire autant de jeux différents? Et l'autre du coup. Mais en tout cas, oui, il a fait des énigmes, quoi. Bah l'autre, il a fait des énigmes. Okay. Ouais. Tu dois partager ce que tu vois avec les autres, tout le monde n'a pas les mêmes infos. Ok, intéressant. Oui, en fait, ça se base du coup sur des images. Ouais, c'est ça. Là, je crois qu'on les voyait un petit peu. T'as des images et j'imagine que toi, t'as les images, tu dois les décrire et les autres non. C'est ça. Mais du coup, si tu oublies des détails, du coup, tu passes à côté de l'énigme en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir d'imposteur, c'est vraiment que de la communication coop. Donc, ça semble être uniquement de la coopération. Ouais. Il y a 108 cartes, non en vrai... Généralement quand il y a une vidéo de Philibert qui a reçu l'éditeur. Bon bah allons regarder la vidéo vite fait. Je sais pas s'ils mettent la vidéo sur leur site. Au bout d'un moment, des efforts quoi, je sais pas... Vidéo, si il y a marqué la vidéo. Ah mais c'est ma faute, parce que je refuse les cookies. Bon, regarde, je peux aller sur YouTube. Elle dure 44 minutes, on va peut-être pas la regarder hein. Pas chaud hein. Est-ce qu'on peut essayer d'aller voir vite fait? au moins Ariane. Oui, bah, il sort en live du coup. Ah, regarde, bam, je lui pose une colle. Allez hop. Un react d'un live. Un peu plus. Eh ben, Julia Rico, très bon. Là, c'est la boîte. Là, vous voyez cette boîte, elle est très très belle, vue de face. Ça, il ne l'ouvre pas alors. Oh là là, quelle belle boîte. Faut ouvrir la boîte. Mais la première chose qu'on a, voilà, c'est ce petit papier. Carte floue. Là, regardez ces belles règles du jeu. Hop là, où on voit, voilà, le bon, écoutez, tutoriel. Je vous mets le lien. Si vous voulez aller voir du coup cette vidéo, on la regardera peut-être après. Ouais. Mais on n'a pas le temps là. C'est compliqué. 44 minutes, c'est un peu chaud quand même. Hein. Peut-être vite fait aller voir le matériel, mais on se rend pas bien compte en vrai. On voit pas trop les images du coup. Non, ils ont... peut-être qu'ils veulent pas trop spoiler. Ouais, je pense qu'ils veulent pas trop spoiler. Et... parce que du coup, ça va être un peu quand même, bah, c'est des aventures quoi. Donc si tu as déjà le fin mot, je sais pas comment ça marche, mais ouais. Voilà, on a des enveloppes comme ça avec des onglets et bah, chacun ces trucs-là sont une énigme. 12 cartes numérotées de 1 à 12. Je mets le son plus fort. Entre les joueurs. Et donc là, à 2, je vais avoir toutes les cartes impaires et tu vas avoir toutes les cartes paires. Mais si on joue à 6, j'aurai voilà. 2 cartes. Écoutez, si vous voulez aller voir. Mais tu laisses le son de tout là, non? Du coup, y compris de la musique et tout. Ouais, moi je vais. T'as fini de t'amuser? T'as fini de foutre le bordel? Allez, on arrête les bêtises là. Elle joue avec son. Je voulais remettre Spotify. Elle joue avec son machin là. Je voulais remettre Spotify et du coup je pouvais pas, c'était capé sur la vidéo YouTube. C'est bon là? Oui, c'est bon. Parce que du coup t'as foutu le bordel avec le son. Non, mais t'as. Non, c'est bon. On a un bon retour. Dites-nous si elle a foutu le bordel. Est-ce que c'est bon? Ça, on pourra la taper. C'est trop fort, pas assez, ça va. Du coup, le chat s'affiche même pas. Je viens de remarquer sur le retour. Ah, c'est cassé. Ouais, c'est cassé. Ça, un peu... Tu veux essayer de le réparer ou... Je peux essayer de faire un truc en 2-2, mais je sais pas si ça sera réparé ou pas. Je viens juste de capter, hein, vraiment genre... J'avoue que le mec avait une bonne beubare. C'est lui. Ok. Ok. Blablabla, je fais du réparage, ne vous occupez pas de moi. Tout est normal, ok. Elle marche pas. Non, c'est normal. Bouf. Ah, il faut peut-être que tu lises. Merde, j'ai pas fait bouge. Je me suis pas écrire en plus. Bouge. Bouge. Bouge de là. Bah, ça marche pas. C'est nul. Bouge, saute. Bon. Je crois que c'est parce que j'ai pas la dernière version d'OBS et du coup. Non, bah, du coup, si c'est mis à jour, on verra peut-être plus tard. C'est toujours normal, ouais. Non, mais en fait, normalement, je suis censée avoir le chat qui apparaît, mais. Comme elle avait changé des trucs. Genre, il est censé apparaître ici, là. Vous voyez où il y a. Bon, on voit pas trop. Personne le voit. Si, on voit mon curseur. Ah bon? Genre, ah oui. Tu vois, il est censé apparaître par là, et plus bas, mais plus bas où on ne voit pas, par contre. Mais du coup, bah, je suis triste. Tant pis pour le chat. Il n'apparaîtra pas. Ouais, okay. J'aimerais bien, et normalement, c'était censé s'afficher, mais ça s'affiche pas. Ils y étaient, hein, la semaine dernière, ils y étaient. Ouais, mais pas très visible. Ouais, mais et on voulait changer un truc et du coup. Mais en fait, je crois que parce que même le Spotify, j'ai dû le remettre parce que. OBS, c'est pas grave, je crois. Bref, je suis. Pouk. La télé, calme-toi. C'est Twitch, calme-toi. Après, YouTube, c'est un peu stylé. Pouk. C'est un jeu à 2 ou à 4, en équipe. Faites preuve de ruse pour assurer la présence de vos alliés sur le champ de bataille et combattez pour la suprématie militaire. Mais attention au coup bas de dernière minute par Fox Troll Games. Et les trolls, ils ont bien choisi leur nom d'éditeur. Je n'ai pas trop l'idée, mais pourquoi pas. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Il y a une patte. Il y a une patte. C'est particulier quand même. C'est pas notre cas, mais il y a une patte. Non, pas trop d'infos, hein. Non, en plus, l'éditeur, il aura pas son truc, je pense. Ah, je suis peut-être mauvaise langue. Oh, je suis mauvaise langue. Il a fait un jeu, c'est son premier jeu. Il a fait un jeu, mais ils ont leur site. Du coup, ce sera facile de trouver le jeu. C'est plus de faux jeux mobiles, c'est... Oui, c'est... Ouais, je suis d'accord, il y a un truc, hein, basé à Bruxelles. Basé à Bruxelles. À Bruxelles. À Bruxelles. À Bruxelles. C'est bon, ouais. Je vais... strategic card game. With the help of the four available factions, you'll be fighting for military supremacy over your opponents. You'll first receive a secret banner card showing two of the four factions available in the game. But beware, as your opponents might secretly share part of your alliances. During your turn, you'll place a card from your hand in a grid of maximum 5x5 cards, hidden or visible. Dans le principe de chacun possède deux bonhommes un peu. Guarantee the allegiances of each faction. The greater the level, the greater the requirement. I'll protect you. Beaucoup à du grand bois. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un mélange de Grand Bois et de Arrakhan World. Ouais. On n'a pas encore joué à Arrakhan World, donc voilà. Mais moi, pour avoir joué à Arrakhan World, la mécanique ressemble dans le sens où tu as le plateau et tu mets les plateaux pour taper les feuilles adjacentes ou réveiller cette feuille adjacente ou donner des bonus à cette adjacente, tu vois. Et là X-Yokai juste pour le principe de mettre des tuiles carrées de côte, un peu face cachée aussi, mais ok. Bah pourquoi pas à tester, mais c'est vrai que bon, ça a pas l'air d'apporter quelque chose de nouveau, mais en vrai, c'est leur premier jeu, donc moi j'ai envie d'être sympa avec les nouveaux éditeurs. C'est cassé ? Quoi ? C'est bon. D'accord. J'arrive plus à mettre la musique avec. Faudrait que je change mes boutons. Mais okay. Non, mais en vrai, mais ça, bon, le design, voilà, c'est pas notre cam à nous. Ça peut trouver son public, c'est un public plutôt jeune, je pense que l'idée, c'est pas l'âge. Oh, quand même, 8+, ouais, en vrai, tu vois, ça peut viser les 10-12. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un peu, ouais, voilà. D'accord. Les gens qui jouent à Clash Royale et tout. Ça fait un peu... Non, mais en vrai, ça fait un peu Clash Royale. Ouais, le logo, il fait vraiment mobile. Hein. Il fait vraiment le jeu mobile, pareil. Donc, il peut marcher. Pourquoi pas. Rock Festival. Hein. Voilà, je suis en train d'ouvrir des tas d'onglets. Il va falloir faire du tri. Tu peux fermer... Philibert, tu peux fermer... Matago, tu peux fermer... Rock Festival. Rock Festival. Organisez votre propre festival de rock. Le thème est rigolo. Il me semble pas avoir vu quelque chose dans ce genre-là. L'illustration, j'aime bien. Les gens qui vont sur le bateau pour aller sur l'île du rock. Pourquoi pas. Coopération et draft. Multivers. Inconnu au bataillon. Ils ont pas fait beaucoup de jeux. Chaudron magique, je connais. La bête. Ah, la bête. La bête. Ils ont fait la bête. Faites des chariots simulateurs, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont fait la bête, c'est vrai qu'ils ont fait chaudron magique. La bête, je crois qu'il est bon, hein. La bête... J'y ai pas joué, mais... C'est oublié, hein, mais malheureusement. Alors qu'en vrai, les retours avaient l'air excellents, j'aimerais beaucoup l'essayer, la bête. Et Multivers est un bon... Les chats ce matin, au fait de nous, c'est pas mais qu'est-ce qu'elle raconte, Céline? Je comprends rien. Pourquoi je te comprends pas? Bon. Céline, explique-toi. Organisez votre propre festival de rock avec vos potes et vos maigres ressources. Sélectionnez les meilleurs groupes du moment pour votre programmation. Recrutez les techniciens, la buvette, la sécurité, le montage de la scène, la com, les financements, évitez les galères. En vrai, ça a l'air cool parce que. C'est vrai qu'en vrai, former un événement comme ça, même pour des professionnels et tout, ça doit être un immense bordel, il y a trop de choses à gérer. De toute façon, on le voit dans le Nord, chez nous, avec... Ludinor ? Ouais, avec Ludinor. Il y a tellement de choses à gérer, et à chaque fois ils sont un peu dans la sauce, mais à chaque fois, bon, ils s'en sortent quand même pas trop mal. L'an dernier, ils s'en sortent pas trop mal. Il y avait beaucoup de monde quand même. Il y avait énormément de monde, mais il y avait beaucoup de salles aussi. Ouais. En vrai, ça va, ils se débrouillent bien. Ah, tu gardes les fonds d'une partie à l'autre, donc c'est un peu en mode Legacy du coup. Ah ouais, c'est où tu vois ça? Je sais pas, c'est marrant. C'est marrant, ça s'appelle marrant. C'est l'organisation de la fête de musique. Ah, parce que c'est de la coop. Ouais, en fait. Ah, c'est de la coop et du coup, parce que je comprenais pas en opposition, mais oui, c'est de la coop. Du coup, à chaque fois, tu gardes ton. Et du coup, ton festival. Et tu fais des plus en plus. De plus en plus gros, du coup. En vrai, c'est marrant. Si jamais tu rates et du coup, t'as plus de fonds. Et du coup, tu fais un festival. Est-ce que tu peux faire un game over? Bah, ça se trouve, justement, genre les gens ne te font plus confiance. Parce que tu peux fait un game over et du coup tu reprends du début, tu vois, en mode... Ça peut être sympa, ça dure combien de temps une partie? Une heure, ouais. Une heure, 50 minutes, c'est très précis. Ouais, j'allais dire... Si tu rates, c'est un festival de punk à chien. Les cartes et les plateaux de jeu sont illustrés en photo par de vrais groupes de rock qui sont produits sur le festival européen de rock progressif Crescendo de Saint-Palais sur la mer. Idem pour les techniciens et les bénévoles qui sont tous issus de l'organisation. Possible de vivre une expérience de jeu plus immersive, c'est cool de mettre aussi les techniciens et les bénévoles à l'honneur avec des photos. Quoi? Rien, j'ai mis en wishlist. Non, pardon, bon, je le mettrai dans très envie de découvrir plus tard. Ah, vraiment, attention. En plus, il a même pas l'air si cher que ça. Non, bah surtout non, si c'est de la Legacy, 35 €. Enfin, je sais pas si c'est de la vraie Legacy ou pas, du coup, parce que. Mais. Il faut plus d'infos. Non, moi, bah, on nous dit, mais. Ouais, c'est ça, 35 € ici, du coup. On voit mon nom, merde. Faut que je me déconnecte. Ah, qu'on enlève. Bon, c'est pas grave, c'est trop tard, hein. On l'a ouvert et tout à l'heure, j'ai juste de capter. C'est vrai, écoute, il faut faire attention à ça. Ok. De toute façon, mon nom, il est dans l'interview de Proxy Game, alors à partir de là, j'en ai un peu plus, ça y est. Hein, T'as une interview? Faudra la garder pour l'écouter un jour. Mais tu vas pas écouter ça? Si, mais l'écouter en live. Ah oui, oui, ça peut être marrant. Je vais être en mode Tu refais une interview de Proxy Game cette année? Enfin, en vrai, s'ils sont chauds. Mais par contre, j'ai dit beaucoup de conneries. Hein. Genre, je vais écouter en live et je vais dire alors là, c'est faux ce que j'ai dit. Non, okay. Yann il m'a dit que ça allait, mais sur les chiffres, j'ai. N'importe quoi. En fait, non, mais j'ai tout sous-évalué. Mais c'est bien, tu es prudente. Oui, mais beaucoup. Mais pas très vendeuse du coup. Ah, oui, voilà. On choisit, hein, on fait pas. Enfin voilà. Bref, du coup, il y a mon nom dessus, donc en fait. Enfin voilà, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je m'en fous. Non, mais. N'allez pas le chercher, s'il vous plaît. Voilà. N'y prêtez pas attention. Ouais, voilà. Bon, en vrai, ça a l'air marrant, du coup, hein. À suivre. Ouais. À tester. Vraiment, celui-là, vraiment à tester. Incroyable. Surtout si c'est de la Legacy, ça a l'air trop bien. J'imagine trop, tu peux te manger un game over parce que t'as tout foiré. Je te jure. Les side quests Seven Seas et Nemesis, on en avait déjà parlé, hein. C'est des petits puzzles, c'est ça? C'est un escape, c'est une aventure, ouais. Une seule aventure, voilà, sur les univers des jeux de société, de la septième mer et... Où est la mer là-dedans? Je sais pas. C'est le jeu, oh, c'est septième mer. Pareil. Et voilà, pareil, je montre vite fait l'illustration hein, pour ceux que ça intéresse, mais du coup, voilà, Nemesis sur le jeu. Nemesis. Voilà. J'aurais dû répondre Alien pour la blague. Alien. Non, Alien. Alien. C'est un peu les deux jeux. C'est vrai. Qui... Enfin, les deux univers qui se. Mais du coup, voilà, on est sur du jeu d'énigme, du jeu de puzzle. Et... Une fois. Et ces genres-là, et on en a parlé, allez voir la rediff. Et... Sky Team. On n'a pas parlé de lui, non? Non. Ça me parle un peu, mais. Beaucoup de jeux avec des avions en ce moment. Ouais, bah. Préparez-vous à l'atterrissage. Rappelez-vous, un pilote apprend beaucoup plus d'un atterrissage réussi d'un atterrissage rapide. Quoi, pas deux, donc uniquement deux joueurs, visiblement. Ok. Scorpion masqué. Effectivement, duo uniquement. Scorpion masqué, ils sont plutôt bons. Ouais, 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 ils sont bons, ils ont beaucoup de prix. Communication limitée. Un pilote et un copilote. J'imagine que pour faire atterrir l'avion, le copilote a les coordonnées et le pilote doit faire des trucs. Si vous perdez l'avion, si l'avion s'incline trop, il décroche. Ouais. Ou entre en collision. Aïe aïe aïe. Ça fait un peu, je sais pas, Opération Tango, l'autre là, avec le PDF, Keep Talking and Nobody Explode, un peu ce genre de jeu. Vous devrez assigner silencieusement vos dés aux bons emplacements dans votre cockpit pour équilibrer l'axe de votre avion, contrôler sa vitesse, déployer les volets, sortir le train d'atterrissage, contacter la tour de contrôle et même boire un petit café. Très bien. Ça a l'air marrant, hein. Bah ouais, ça fait un peu ce genre de jeu où il y en a un qui a le manuel. Keep Talking and Nobody Explode. Ouais, j'ai tellement envie de faire du Keep Talking and Nobody Explode en live. Un jour on en fera. Ce sera marrant. Peut-être en soirée, tu vois, genre, sur un créneau, une fois par mois. Ça a l'air. Ouais, mais pas si cher que ça en vrai, ça dépend un peu du contenu qu'on a là d'ailleurs. Qu'on a C'est joli. Ouais, c'est beau. Oh, ça a l'air vraiment compliqué. Oula. Ouais. Là, tu tires les dés, tu mets des valeurs là où ça doit tomber et là. J'imagine tu composes aussi un peu avec ce que tu peux. La squad Sarkozy, ouais, c'est ça, t'as compris. Ça a l'air trop beau. J'adore le matos. avec les le plateau doublé là, avec les inserts. Il y a beaucoup d'avions, genre les avions faut les déplacer, tu crois Non mais faut attendre qu'ils dégagent de la piste. Ah ouais, parce que du coup, ouais, y a, là ici il y a des avions. Tu contrôles qu'un seul avion, mais ça c'est ce qu'il y a sur la piste, je pense. Du coup, tu ne peux communiquer qu'entre les manches avant les lancer de dés. C'est déjà bien de pouvoir communiquer quand même. Quand même. Non mais c'est... Franchement ça a l'air trop bien. Je suis... hypé aussi? Ouais, de fou. Je suis d'accord. À l'occasion, on pourra le tester. Il a l'air cool. On est presque fini. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est que 4 jeux. Jusqu'ici? Ah, il est sur BGA. Oh, jusqu'ici. Oui, c'est vrai. Ouh, un peu plus. Ouais, j'avoue qu'il y a un peu des... il y en a un en 3 exemplaires. Non, c'est pas 3 exemplaires, c'est le jeu de base plus l'extension. Si la bus, par la chaîne? Non. Pas du tout. Pas du tout, c'est le jeu du jeu. C'est écrit pas par. Tout petit enfant. Ah, il est sur BGA le jeu des pilotes. Ukrainien ou pas? Parce que probablement pas y jouer, oui. On ne jouera pas, mais. C'est pour les enfants, 4 ans et plus. Nous avons très accessible. Oh, il y a la petite. Et toi, t'es vraiment un enfant quand on fait les jeux enfants, quoi. Mais oui, j'aime trop. Il n'y a pas d'hippocampe, mais. Oh. Par Gigamic. J'adore la boîte. Viens, on l'achète. Non. Ouais. Ce matin, ce matin, on réveille les animaux astronomes ne se souviennent plus de leurs rêves. Oh non. Guidés par les étoiles, ils enfilent leur tenue d'astronaute et voyagent d'image en image pour reconstituer leurs rêves perdus. Ouais. Il y en a deux qui ont... Ils se sont un peu volés les... Parce que ça ressemble beaucoup à nos dieux qu'on a traité avant, là. Ah, souvenir, oui. Le jeu joli, ouais, c'est vrai. Souvenir d'enfant, je sais plus. Bah. À toi de trouver le meilleur chemin pour parcourir le ciel le plus rapidement possible. Oui. Je suis vraiment... Oui. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? Après, c'est parce que Noël arrive. Donc c'est logique de sortir des jeux un peu sur les rêves et sur les enfants, tu vois. Ce sera du premium sur les jeux. Ouais, c'est très... Mais tu vois ce que je veux dire, du coup c'est logique, du coup c'est... Ouais, oui, oui, je comprends, je vois. Du coup, mais c'est cool, en vrai, c'est sympa. Mais c'est beaucoup trop choupi. Autant, enfin, comment dire, les deux boîtes sont belles, mais elles sont belles dans différents... Pas du tout de la même façon. Oui. Genre... L'autre elle est vraiment jolie, là c'est vraiment choupi, on va le voir. L'astronaute. Mais il est trop bien le poulpe. Il est incroyable. Et ça peut faire naître des vocations, très bien. Hein. Les enfants vont dire je vais être astronaute comme le poulpe. Les parents vont suivre. Ok. Passons à Tiny Epic Dungeon. Alors lui du coup il y en a 3. Alors il y en a ici, il y a Stories, il y a la version française, et l'extension, du coup, on parlera de l'extension dans la foulée, je pense. La vocation de Poulpe Astronaute, c'est une vraie vocation, je valide. On viendra Poulpe Astronaute ensemble, Céline. Super. Écoutez, je vais vous laisser, moi, je vais partir. Tiny Epic Dungeon, donc c'est une gamme. Ouais, ça c'est une gamme parce qu'il y a l'anglais et plein d'autres trucs. C'est sorti en 2021 déjà. Alors je pense que c'est quand le KS a été fait. Ah ouais? Et il arrive seulement maintenant. Ah oui, parce que c'est fou le KS jusqu'à présent, et là maintenant il arrive en boutique. Donc, bah, je pense qu'à mon avis, on a mis la date du KS quand le KS a été fait à l'époque. Et je pense que le KS arrive en ce moment. Ça a l'air d'être sur une grosse boîte, mais elle coûte pas si cher que ça. Alors, je sais pas si tu connais Tiny Epic de base. Non. Donc, Tiny Epic c'est l'univers, mais. Ah, c'est encore une autre. Ouais, c'est compliqué. Et en fait. Je m'accroche. Hein. Tout ce qui est Tiny Epic. Oui, ils ont fait une piste de 2 en hexagone. Ouais, bah c'est vraiment ça. En hexagone? Ouais. Jamais vu. Et en gros, elles sont solides. Ok. En gros, Tiny Epic, c'est beaucoup de choses. Et c'est pas Tiny du tout. Non. Plutôt Epic. Ouais. C'est en gros une gamme de jeux, bah pareil, où tu vas. Par exemple, Dinosaur et Mignon. Hop. On voit pas beaucoup. Et en gros, c'est avec des figurines et tout. Et du coup, bah tu fais. Alors, non, pas vraiment, mais en fait, c'est t'avances dans l'aventure et c'est un roguelike. D'accord. Ah, j'ai du mal à le trouver. Tout ça pour dire roguelike. Ouais, exactement. Et du coup, il y a plein de thèmes et tout, tu vois. Et donc, le donjon, il est entre guillemets attendu parce que bah, on est vraiment dans cet univers. Du roguelike, du roguelegacy. Ouais, c'est ça. Tu commences le donjon et tu recommences. Et voilà. Ok. Intéressant, ça n'a même pas l'air si cher que ça du coup. Non, surtout qu'il y a des figurines dedans. Ah ouais? Ah oui, 8 figurines. Ah oui. Je le sais parce que j'ai un collègue qui est pas celle de Tiny Epic tout court. Et il est fan de Tiny Epic, alors voilà. Il y a, ouais, pour le matos. Ça a l'air vraiment full rentable pour le matos qu'il y a dedans. Hein. Ouais, c'est. Parce que du coup, vraiment, tu fais les tuiles, tu dévoiles les tuiles au fur et à mesure. Ouais, c'est vraiment des figurines. Non, non, il y a des figurines, mais c'est des bouts de plastique. C'est vraiment des vraies figurines sur des socles et tout, là. Et elles sont déjà montées. Ok. Par contre, elles sont pas peintes, mais elles sont déjà montées. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses ouais, pour le prix hein, c'est bien. Mais après, la boîte est... enfin, les Tiny Epic, les boîtes sont petites. Ouais. Là, je sais pas, il n'y a pas les dimensions de la boîte, mais... Non, on ne prend pas bien compte, genre... parce que le format, ça fait le format d'une grande boîte. Tiny Epic normal, c'est ça, comme taille. Ok. C'est genre une boîte... Tu mets pas les figurines dedans, là, vous les connaissez. Si, parce que les figurines, elles font genre cette taille-là, elles font genre... Elles sont tiny. Elles font quoi? Ça fait quoi? Ça fait 4-5 cm. On est sur figurine taille Unmatch. Ok. Bon. Tu vois, pour comparer la taille. C'est des bonnes figurines déjà. Moi aussi, bon. Réfléchis. En fait, c'est un peu plus petit, je pense. J'essaye de me visualiser parce que je les ai vues en vrai, les figurines, et. Ouais, elles sont peut-être plus petites que les Unmatch. J'ai pas d'exemple. Ouais, c'est plus petit que celles que j'ai derrière. Ok. Quand même. Mais elles sont quand même sympas. Et du coup, voilà, du coup, le dungeon est attendu parce que bah, c'est juste le meilleur endroit pour faire du roguelike dans les dungeons. Ok. Voilà. C'est le meilleur endroit. Ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que ça n'a pas l'air très cher. Et du coup, ils sortent le jeu avec l'extension directement Stories. En même temps, on va en parler maintenant tant qu'à faire. On est lancé. Voilà, donc ils sortent. Elle est jolie. Et voilà. Tant qu'à faire, autant sortir le jeu et l'extension en même temps. C'est cher que le jeu de... Mais pareil, encore une fois, t'as 8 figurines dedans. Encore plein de... Ouais, il y a énormément de choses. Hein. Donc, il y a énormément de choses. Alors, je sais pas si la qualité du matériel laisse à désirer pour être aussi peu cher. Non. Non, c'est bien. Bah non, non... Bon bah écoutez, visiblement c'est possible. Hein. Enfin, après, sur Dungeon, je sais pas, mais sur les anciens Tiny, la qualité est ok, tu vois. Et c'est Pixie Game, donc ils ont... Ils savent ce qu'ils font et... Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Corrigez maintenant. J'ai ouvert plein d'onglets Tiny Epic. Je peux même faire le Matago. J'ai besoin de tout là. Ah si, en fait on a besoin. Bon, tant pis. C'est pas grave, on ira pas voir sur leur site. Hein. Si, pour se moquer des dates, c'est toujours drôle. Non mais Hidden Leaders, en plus on en a parlé, non? Non. Non, on n'en a pas parlé, non. Non. Ah non, c'est quelqu'un qui m'en a parlé par un message récemment. Mais il faut que je réponde, pas répondre. Flamme rouge BMX. Pour les enfants, plutôt. Absolument aucune info. Ouais, y a rien. À part la boîte. Je crois. Ça a l'air d'être designé pour les enfants. Déjà, c'est une boîte anglaise. Déjà, il y a un gros logo anglais. Et la flamme rouge, c'est le nom d'une course. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment une boîte qui est faite dans l'optique d'une course. Ah, c'est une gamme. Ouais. Oui, c'est ça, c'est une course à vélo pour moi. Et je crois que l'éditeur, je sais pas s'il offre le jeu ou si les gagnants ils ont le jeu ou. Parce que du coup c'est l'otapélite fille. .fi. Point Finlande. Ah, c'est du coup... Mais il me semble que du coup... Oh, ils font Eclipse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme bordel? Bordel, il y a tout. Ah, il y a beaucoup d'Eclipse. Oui, il y a que des Eclipse. Oh, elle signifie... Okay. Flamme rouge, oui, c'est parce que c'est .fi pour Finlande, du coup. C'est ça. La nation. Il y a un bordel, hein. Il en a fait des choses, hein. Terraforming Mars, Trade Fleet. C'est des... Ah, c'est des petites figurines, des... Ouais, c'est ça, c'est des accessoires qui sont, comment dire, autorisés par... Regarde ça. C'est autorisé par un train... Pas du tout le sujet, hein, je sais bien, mais bon... C'est autorisé par un train, ça. Regarde ça. Oui, bah ça, c'est avec... T'en as avec ça. Ah, ok. C'est pour ça que c'est le bordel. D'accord. En gros, t'as le plateau avec tout, tu vois, tu peux mettre les emplacements de colonies et tout. Sur Tournal. Ah, t'as du tournoi sur la map, t'as tout. Regarde. Ok, ok, bon, si tu regardes dessus, t'as colonise avec genre ici, là. Chouk. Et Tournoil, c'est ce machin-là. Ah, d'accord, ok. Je comprenais pas. Ça, c'est Tournoil, justement. Avec ça aussi. Probablement. Ici, t'as du coup, t'as des nouvelles fréquences. Là, c'est Vénus. Ouais. Ok. Et il manque. Prélude, mais prélude. Enfin, non, mais on s'en fout sur le tapis de jeu. Y'a rien à faire sur le tapis de jeu avec Prélude. Bon, c'est un éditeur qui a beaucoup édité, et c'est un peu le bordel. Mais, Flamme Rouge. Du coup, Flamme Rouge, je crois que... Bon, du coup, Flamme Rouge, pour savoir un peu le truc, on va aller là, c'est décrit un peu, là. Dans le monde du cyclisme, la Flamme Rouge est un drapeau qui indique le dernier kilomètre. Ah, voilà, c'est ça. C'est pas une course, mais c'était un indicateur en vélo. La dernière ligne droite, le moment où il faut tout donner. C'est un jeu de course rapide tactique, une équipe de 2 coureurs, un rouleur, un sprinter. Il faut être le premier joueur à franchir la ligne d'arrivée avec un de ses coureurs. Les joueurs déplacent leurs coureurs en jouant simultanément des cartes qui indiquent le nombre de cases dont ils avancent, profiter de l'aspiration des autres coureurs, négocier des beaux virages, attention aux coups de feu. Mais du coup, ok. Et du coup, je pense que BMX, du coup, c'est plus adapté pour les enfants. Bah, pourtant, les deux sont 8+, tu vois. Lui, il est 8+. Ouais, mais rien qu'en termes de design, ouais, genre... Ouais. Enfin, petite image, mais... Peut-être là, elle est plus grosse. T'avais du matériel. Oui, c'est vrai que là, ça fait très sérieux, ça fait très... Là, ça fait extrêmement sérieux, tu vois. Après, ça, c'est des trucs sur lesquels les enfants, ils jouent avec leur voiture, hein. En gros, ça fait tapis d'enfants, hein. C'est jeu, en vrai, c'est choupi. Et du coup, tu compares par rapport à la boîte spéciale BMX, pour moi, c'est clairement destiné aux enfants. Oui, là, franchement, bah, pas destiné à un autre public. Pour moi, il y a un air de Miraculous, même si... Les... Oui, il y a un petit air de dessin animé, on est d'accord. Oui, voilà. Ok. Donc, probablement le même principe, mais pour une cible différente. Bah, après, c'est un standalone, donc c'est compatible, extension, tout ça. Voilà. Et nous allons terminer avec notre dernier jeu. Alors, Hidden Leader, parce que quelqu'un m'en a parlé, du coup... C'est l'extension. Mais je suis... Ouais, c'est une extension, et du coup, nous, on l'a pas, mais je crois qu'un de nos amis le possède. Tout à fait. C'est bien ce qui me semblait, hein. Et du coup, ça, c'est la deuxième... C'était bien ou pas? C'est avec des couleurs. Alors, c'était bien, mais... Pardon. Ah, merde. Mais Matago. C'est même pas écrit, tu vois. Bon, du coup, c'est Matago. Et il y avait, il y a des cartes où il y a des erreurs de traduction graves dans le jeu de base, qui change tout en fait, hein, on connaît, donc en fait c'est un mais, la traduction anglaise et française c'est les opposés. Beaucoup de petites coquilles comme ça, de fautes d'orthographe aussi, malheureusement. Après, le jeu en lui-même, la mécanique est vraiment cool, et je sais pas si la mise en question le ressort régulièrement, mais voilà. Et cette extension comprend du coup une nouvelle faction, 4 chefs, 20 nouveaux héros, les gardiens, une race puissante. Tout le monde peut les utiliser, mais faites-le avec parcimonie, vous risquez de faire gagner les chefs des gardiens. C'est une extension indispensable pour pousser le jeu Hidden Leaders vers de nouvelles stratégies. Du coup, je sais pas si tu vois la mécanique de Hidden Leaders. J'essaie de me rappeler, hein, je me souviens plus trop. T'as le plateau au milieu, et tu dois essayer de faire des conditions de victoire, par exemple avec les roues... Là, par exemple, voilà, pour remporter la victoire, il faut faire en sorte soit de mettre les jetons rouges ou verts à un certain niveau, mais les deux joueurs contrôlent tous les jetons en fait. Et tu as des... Enfin, les héros, tu peux bouger le jeton sur la piste. En fait, c'est ça. Et pour gagner, tu as 2 conditions de victoire de ton côté. Chacun a 2 conditions de victoire. Donc, rouge, vert, noir, etc. Enfin, voilà... Tout le monde a 2 conditions de victoire pour le faire, il faut essayer de le faire avant l'adversaire. Ok. Sachant que, bah, des fois, les 2 joueurs peuvent avoir rouge, tu vois. Oui. Et dans ce cas-là, bah, les 2 gagnent et il y a un poté partagé, celui qui a joué le moins de cartes de la couleur en question. C'est-à-dire que si tu gagnes sur rouge et que t'as joué beaucoup de rouge, bah, t'as perdu. Parce que t'as forcé, du coup, ton adversaire en a juste profité. C'est ça, exactement. Ok. Et donc voilà. C'est sympa, c'est un peu rôle caché, mais quand même un peu stratégie et tout, très tactique, très tactique finalement. Parce que bon, au bout d'un moment, tu sais un petit peu ce que t'as quand même. Donc, et donc, du coup, l'extension visiblement rajoute un nouveau camp et gardien qui aura du coup sa propre wincon. Voilà. Donc, enfin, pourquoi pas, mais du coup, faites attention aux erreurs de traduction. Ouais, il y en a. Je sais que j'en ai vu passer sur Insta, sur la boîte de base. C'était vraiment. Bah, comme comme celle de Yann qu'on connaît. Ouais. C'est vraiment genre aberrant, c'est l'opposé. C'est en gros, au lieu d'aller à droite, il va à gauche, un truc comme ça. Enfin, ah oui. C'est pas ça, parce que left et right, ils vont pas se tromper quand même, mais je sais plus la faute en question. Mais ouais, c'est quelque chose d'opposé. Pour rappeler, dans Iron's End, il y avait une carte, ça avait été traduit réduisez les dégâts de 1. Et en fait, c'était réduisez les dégâts à 1, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand tu mets 11 dégâts, bah, en mettre 10 ou en mettre 1, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le monstre il meurt ou pas, quoi. Effectivement. Ok. Voilà. Donc, pourquoi pas. Rajouter, mais vraiment, faites attention aux erreurs de traduction. Allez sur... Il y a des sites où on peut vérifier des erreurs. Des endroits où on peut vérifier, où oui, on peut checker le jeu. Enfin, voilà, d'accord, très bien. Des sites anglophones que vous connaissez. Ok. Ah, d'accord, très bien. Ok, j'ai compris. Bah oui, non mais oui. Mais moi j'espère qu'un jour on pourra le faire sur ma vidéo, avoir un truc à parté et tout, mais c'est très long à mettre en place. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Ouais, j'imagine que les joueurs peuvent en parler, alors là il n'y a pas de commentaires. Oui, un peu de commentaires, mais... Les commentaires sont après... plus... Mais je pense qu'un jour, quand il y aura l'équipe de contribution nécessaire, etc., et qu'il y aura le temps, pourquoi pas faire un petit onglet faute, histoire de répertorier les fautes. Et... Ouais, un onglet Matago, réservé plutôt à un onglet dans toute la catégorie des jeux Matago. Mais tu vois, si Matago, hop, j'ouvre un onglet erreur. Le problème, c'est qu'en fait, il faut avoir un suivi, il faut... Il n'a pas l'air contre, effectivement, mais le problème, c'est la gestion, en fait. Il faut que l'équipe de contribution soit présente pour vérifier que l'information donnée par quelqu'un est vraie, comme quoi il y a vraiment une faute. Et le problème, c'est que tant que l'éditeur ne le dit pas, finalement, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas savoir. Il faut le vérifier, et c'est ça le problème. C'est la vérification qui... L'équipe de contribution, pour le moment, on le voit en haut de mon onglet, il y a un truc avec marqué 21. Il ne faut pas cliquer dessus, mais... Mais en fait, c'est les demandes en attente. Bon, bah, il y a 21 demandes en attente. Ça va, c'est bon. Ça va, mais... Mais c'est une bonne partie pour dire que finalement, vous êtes humain. Il ne faut pas vous taper dessus, pas trop. C'est vrai. Bon, les gens qui vous tapent dessus ne regardent pas ce live, mais bon... à l'occasion. Mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être... Ouais, c'est vrai. Non, mais un onglet dédié, ce serait vraiment bien. Comme ça, tu vas sur la fiche Maïdo, tu sais les erreurs qu'il y a et... Non, mais c'est pas con de mettre un petit macaron erreur possible sur tous les jeux de Matago, finalement. Comme ça, on gagnerait du temps. On gagnerait un temps fou. Mais c'est vrai que si on met possible erreur et on rajoute un onglet, franchement, ça serait sympa. Parce que tu vas sur une fiche, tu sais qu'il y a peut-être une erreur. Et peut-être un système de pouce ou de... Pour dire, bah oui, cette erreur, elle est vraie, je le confirme. Comme ça, plus le genre de mettre de pouce et plus tu sais qu'il y a vraiment cette erreur, elle existe. Ou alors... Il y a un débat. Je pense que si Yann est sur le live, il me taperait, mais... C'est une preuve qu'il n'est pas sur le live. Ah, on vient de perdre un spectateur. Donc il était là, il est parti. Il a bougé. Voilà, donc pour les sorties de la semaine... Qu'est-ce qui te hype là-dedans? Celui qui est dans le wishlist, là, j'ai oublié son nom, mais... le Rock Festival. Ouais, de fou. Et Sky Team aussi. Et Nekojima aussi. Sky Team, quoi? Plus bas. Ah. Ouais, Sky Team, là, Sky Team. Ouais, un peu les mêmes, on est d'accord. Hein. Et Nekojima, au moins de tester. Moi, j'aimerais beaucoup tester, mais par contre, l'acheter, je trouve que c'est un peu trop. Mais Sky Team, vraiment, c'est à ça aussi de le mettre en wishlist. Je vais. Voilà, je suis hype. Et toi? Non, bah, c'est franchement la même chose. Hein. Tout bien combat aussi. Nekojima, pas du tout. Nekojima, Rock Festival, Sky Team, peut-être pas forcément pour les acheter, en particulier Nekojima, mais Nekojima j'aimerais vraiment beaucoup tester. Juste essayer, ouais. Empire's End, pourquoi pas tester, mais moi ça me fait très peur avec la mécanique de No Thanks. Cat in the Box, pourquoi pas aussi. Sinon oui, voilà, pour moi on a fait à peu près le tour. Les side quests aussi sont sympas, mais on en a parlé plus, mais à essayer aussi. Ou alors, bref, un petit. Enfin voilà. Et la semaine prochaine, encore beaucoup de jeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, oh là 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 là, ça va être compliqué la semaine prochaine. Mais quand ça se finit? 35, 36 36. Mais je vois pas mal de petits trucs. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de petits bonus, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de parler. Parce que c'est beaucoup d'extensions. Qui me font rêver. Il y a un jeu qui a disparu que je voulais parler, qui était censé sortir la semaine prochaine. Bon, c'est pas grave. Mais Oh, chaton, il y a, en fait, voilà, il y a énormément... Normalement, En fait, je me dis, j'ai envie de décaler le live à vendredi parce qu'il y a des sorties, j'ai envie d'en parler. Genre, elles sortent la semaine où j'ai envie d'en parler, et donc du coup, on n'est pas là dimanche, donc ce sera décalé à vendredi pour parler de ces jeux qui me font archi envie la semaine prochaine. Voilà, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. J'ai envie d'avoir envie. Sur ce, vu que nous avons des envies, nous allons parler de nos tops. Top combien? J'ai dit combien? 40 à 36, c'est écrit dans le nom du live. Okay. Voilà. Tu veux commencer? Je commence. Bah, il faut que je retrouve. Eh bien, je vais commencer alors. Ça y est, j'ai retrouvé, c'est bon. Ah. Alors, quel est ton top 40? 40. Mon top 40, c'est Roll Time. Ah. Et je trouve. Il y a des goodies de Roll Time? Il y a des goodies de Roll Time? Non, c'est un print tout fait. Ah, ok, c'est la démo. Ouais, exactement. J'avais le goodies, j'ai. Petit peu. Roll Time, on l'a plein de débordements. Du coup, Roll Time, c'est un jeu de rôle qui est fait pour être plutôt accessible. La boîte, elle est plutôt petite et il y a pas mal de matériel pour aider les joueurs et le MJ aussi. Avec des petites cartes, des petites capacités, tout ça. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti cette année. Il est sorti cette année. Il est sorti cet été, direct. On l'avait vu à Delange. 2 juin 2023. On l'avait vu à Delange. En avant-première. Ouais. 2 juin 2023. Là, c'est ça, c'est cet été. Très beau tatouage, d'ailleurs. Très beau tatouage. Et du coup, en fait, ce qui me plaît beaucoup dans le jeu, déjà, c'est l'univers, je le trouve incroyable. Vraiment basé sur les. Enfin, les illustrations sont cool, le thème est cool, on se prend vraiment pour une petite bestiole. Regardez ça, elle est incroyable. Le bourdon druide. Je fais un effort. J'avais la fourmi, mais voilà, vous avez la roublarde coccinelle, il n'y en aura pas d'autres. Vous avez un papillon, vous avez un cockroach là. Mais rien que déjà sur l'univers, je trouve bien tous les efforts qu'ils ont fait pour aider les nouveaux joueurs, je les trouve vraiment bien. J'ai pas encore MJ, j'ai juste joué une partie, mais j'aimerais beaucoup encore creuser. Je sais pas, c'est des JDR, c'est compliqué, hein, il faut une équipe. Il faut un groupe de joueurs. Il y a encore de financement en fait, leur jeu en plus. Mais bon. Ah, c'est un jeu lié sur la même chose. Et du coup, en plus de ça, ça link sur une. Ça joint une thématique particulière qui sont la disparition des abeilles dans notre monde en fait. Dans vraiment le monde pas drôle. Alors, même pas que ça, parce que en fait, ils ont 5 scénarios, 4, je sais plus le nombre. Bref, il y a. Je les ai mis. Pardon, il y a 14 scénarios, mais c'est composé en 5 épisodes. Nous, on a fait uniquement l'épisode 1, partie 1. Et en fait, l'idée, c'est que chaque épisode, effectivement, montre une thématique. L'épisode 1 complet est sur la disparition des abeilles. Et les 4 autres épisodes, ils vont pas être sur cette thématique-là, mais ils vont être quand même sur une thématique écologique. Voilà. Ok. Je crois, par exemple, qu'il y a un épisode qui va être plutôt sur la pollution des eaux, en fait, tout simplement. Et du coup, comment l'écosystème volant s'en sort vis-à-vis de ça, les pesticides, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Mais du coup, c'est vraiment plus large, ça va pas être que les abeilles, ça va être toute la faune. Ouais, enfin, c'est en fait, beaucoup plus large. Mais finalement, ça attaque les abeilles. Je crois que c'est un peu quand même leur cœur de. Les abeilles, c'est vraiment l'épisode. Leur prédilection. Ok. Voilà. Mais voilà, du coup, essayez-le. Pareil, si vous n'êtes pas trop JDR et tout, ce que je comprends, c'est particulier quand même, mais essayez-le quand même à l'occasion. En convention, avec un petit groupe d'amis, une partie c'est pas forcément très long. Hein, non, et voilà, vous avez les pré-tirés, vous n'avez pas à faire vos fiches, vous avez votre matériel, etc. Donc vous n'avez pas trop à vous casser la tête. Et 10, 60 à 90 minutes, c'est si vous décidez de faire l'épisode complet. Parce qu'en plus, il est sectionné avec des checkpoints. Ouais, étant donné que vous pouvez le sectionner en 3, si jamais, nous on l'avait mis une heure en convention parce que y a l'ambiance convention, etc. qui fait que. Mais un épisode c'est une demi-heure. Donc du coup, une partie d'épisode plutôt, je vais y arriver. Et si vous faites effectivement l'épisode complet, là ça va être 1h30. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, il est vraiment incroyable. Moi, Roll Time est dans mon top jeu de rôle, parce que je n'ai pas pu le mettre dans mon top 50. J'ai fait un top jeu de rôle à part, dont je parlerai un jour quand on aura le temps. Sans moi, parce que... Oui. Bah, c'est-à-dire que moi, si je fais un top jeu de rôle, j'en ai un peu moins quand même. J'ai triché, mais... mais du coup, voilà. Je n'ai pas respecté les règles. Mais je pouvais pas. Tu n'as même pas écrit Roll Time ici. Oui, je vais l'écrire. Mais je pouvais pas, j'avais trop de jeux qui... Genre Hydrodie, tu vois, ça prend... Bah, je comprends. Enfin, voilà. Je vais vous parler de mon top 40, qui s'appelle Okito. Donc, Okito, c'est quoi? C'est un jeu abstrait. C'est un jeu de la gamme Cosmo Ludo, chez Cosmo Ludo. Incroyable. Tiens. Et comment expliquer? C'est un jeu abstrait, alors c'est toujours compliqué d'expliquer les jeux abstraits sans manipuler les pièces et sans y jouer. Mais un joueur joue les blancs, un joueur joue les noirs, et le but ça va être d'essayer de récupérer tous les pions adverses, en fait, que le joueur n'ait plus de pièces de sa couleur visibles sur le plateau. C'est ça? Bah, ça dépend, oui, non, pas tellement, mais en fait, la façon de faire des points, ça va être, tu prends les jetons de ta couleur qui sont face visible, tu prends le nombre de barres qu'il y a dessus, par exemple, celui-là, du coup, c'est 2, je sais pas si on voit bien le curseur, mais c'est 2, et tu multiplies par le nombre de pièces qu'il y a en dessous. C'est ça, oui. Donc là, par exemple, ça fait 2 x 2, ça va faire 4, et lui, il n'y a que 1, donc ça va faire 1 x 2, ça fait 2. Et à la fin de la partie, quand les joueurs ne peuvent plus bouger, là, on va regarder les tailles des piles et les multiplicateurs des jetons. Pour mettre un jeton, et bien par exemple le noir il veut jouer, il ne peut aller qu'en ligne. Ouais, c'est en ligne droite et ça s'arrête sur le premier. Comment dire ? Le premier jeton qui croise. Le premier jeton qui. Et tu peux bouger que les noirs ou une pile qui commence par un noir. C'est ça, voilà. C'est bien casse-tête, c'est bien. Ah, et tu fais autant de déplacements qu'il y a de nombre de barres. Oui, c'est vrai. Donc, par exemple, lui, tu as le 2 là, ici. Il fait le 2, il fait 1, 2 et atterrir sur le 1 blanc qui est derrière. Exactement. Voilà, c'est vrai que cette règle est importante. Et du coup, bah, c'est un jeu très casse-tête. Hein. Il est trop dur. Je l'aime trop. J'adore. Je préfère l'autre de la gamme de Cosmo Ludo, le Camon, je crois. Camon, probablement. Moi, je crois que c'est le Camon que j'aime bien. Bon, il y en a pour tous les goûts. Hein. En dehors du jeu, l'éditeur, il est cool. C'est celui-ci qui ressemble un petit peu à Camisado et au jeu de Hex. Mélange de Camisado et jeu de Hex. Mais moi, j'aime moins parce que je suis nulle. Mais voilà, Okito, je le trouve... Enfin, tous les jeux Cosmo Ludo, de toute façon, ils sont beaux, ils sont... Le matériel est cool, c'est... Bah après, ça a son prix pour un jeu abstrait, mais... Ouais, moi je trouve ça honnête, hein. Oui, c'est pas mal honnête, je trouve. Comparé à la gamme gigamique, bon... On n'est pas sur la même qualité non plus, mais... Mais non, ils sont vraiment très satisfaisants, et en plus, on a une boîte dédicacée. Pas du tout de ceux qu'on a cités, mais... C'est lequel qu'on a dédicacé, déjà ? C'est Yoxi. C'était le Yoxi. Yoxi qui est tout à fait sympathique aussi. Avec des couleurs et du matos sympathique. En fait, ça se base toujours sur le même principe. Vous avez autant d'intersections en fait, de barres et du coup, vous déplacez vos pions avec le même nombre que le nombre de barres. C'est toujours un peu ce même principe-là. Je vais passer à mon top 39. Et j'ai vu que c'était notre première correspondance. C'est notre premier jeu qu'on a tous les deux dans notre top. Donc du coup, on en a parlé la semaine dernière. Dis-toi dis quand même ce qui te plaît dedans, parce que moi j'ai donné un peu mes. J'ai donné mes arguments à moi. J'ai beaucoup de choses à dire sur le fait que j'aime Unmatch plus haut que toi visiblement. Plus. Quoi que ça veuille dire. C'est marrant, c'est la police de Friends. Je viens de remarquer. Je viens juste de remarquer. Qu'est-ce que j'aime dans Unmatch? J'adore le côté deck building, j'adore le côté affrontement, j'adore les jeux en équipe. C'est pas du tout un deck building par contre. Le jeu de cartes, pardon. De deck. Oui, non. Deck fighting. Ouais. Et j'aime beaucoup les jeux en équipe. Alors, bon, d'accord, souvent on joue plus en 1 contre 1 match, mais on peut jouer en 2 contre 2. Et ça, je trouve ça bien. J'aime bien parce que du coup, tu as vraiment moyen comment dire, en 2 contre 2, d'explorer un champ des possibles que je trouve assez impressionnant. Et je sais pas quoi dire de plus, à part que tout marche en fait dans le jeu, qu'on peut, comme tu l'avais dit déjà la semaine dernière, c'est vrai, créer son propre univers, créer ses propres cartes, pour vraiment faire des combats qui nous correspondent. La licence, elle est infinie, des jeux, il y en aura toujours, les boîtes se combinent entre elles. Enfin, voilà, c'est original et c'est prenant, et j'aime bien. Je sais pas quoi dire de plus, je dis beaucoup. Oh, ça fait déjà beaucoup ouais, quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Il n'y a pas le prix de... Ah, parce que c'est la version anglaise. Ouais, j'ai fait une boîte au pif. Voilà, voilà. Enfin, Unmatch en particulier, avec sa variété d'univers et tout ce qui est possible de faire, visiblement. Moi, je sais que la boîte qui me hype, que j'aimerais beaucoup essayer, ce serait Chaperon Rouge. Et voilà. Et c'est à toi d'annoncer ton top 40... non, tu peux... 39. Ah oui, t'en as fait deux, toi? Ouais. Oui, Okito, j'ai déjà oublié Okito. Mon top 39... Oh, bah c'est pareil, toi, tu l'as pas encore sorti. Oui, toi, il est probablement au-dessus, hein, c'est obligé. C'est Turbulence. Elle l'a au-dessus. Je sais pas où. Trop facile le bluff avec elle, vraiment trop facile. On lit dans moi comme dans un livre ouvert. Turbulence. Par l'éditeur, alors c'est Thomas, voilà, Thomas Planet, je sais que c'est tantôt comme moi, mais c'est Thomas. Par Ludembois. Alors déjà, c'est un jeu qui est tout en bois. Qui est un jeu qu'il fait lui-même. Genre, il crée toutes les pièces lui-même dans son garage. Donc, si vous avez une édition, vous avez vraiment un truc unique, quoi. Ça coûte cher. Alors, non, pas pour ce que c'est, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais encore une fois, c'est vraiment fait à la main. C'est fait en bois, c'est fait à la main, c'est peint par lui-même. Enfin, c'est le prix. Ça coûte cher, mais c'est le prix, ouais. Ça. Et du coup, c'est quoi ? C'est bien. C'est bien, je ne sais pas ce de ces compteurs là. Peut-être. Parce que c'est une extension, ça, ouais, je pense. Probablement. Ouais, parce que nous, voilà, ça plutôt, plus cette tête là. Ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. En gros, vous avez un plateau hexagonal avec différentes couleurs de cases et des avions avec des nuages dessus. Tant que les nuages sont blancs, tout va bien, mais quand les nuages s'entassent ou heurtent des montagnes, ils forment des nuages noirs, et du coup, si vous allez dessus avec votre avion ou si vous êtes pris dans une tempête, vous revenez au point de départ, à votre point de départ. À chaque tour, du coup, un avion, il peut faire des déplacements pour aller chercher des colis chez les adversaires pour les ramener chez lui et faire des points. Et surtout, bah, à chaque tour, le vent souffle et va déplacer les nuages et changer un petit peu la configuration de la map. Donc du coup, on va devoir s'adapter en permanence, bouger et un peu réfléchir à la meilleure trajectoire. C'est possible de faire du jeu en équipe, c'est possible de faire du jeu en solo, c'est possible aussi de jouer uniquement pour des objectifs. Il y a plusieurs niveaux de difficulté et il y a des objectifs un petit peu à la con... Un petit peu rigolo. Cosplayer, imiter le bruit d'un avion à la bouche pendant la partie. Faites ça, mais au secours, vous allez vous faire tuer, je pense. Sauf si vous jouez en solo. Je sais pas si tu joues en solo. Je crois pas. Je sais plus. Non, je crois pas. Vous avez des pouvoirs pour vous déplacer de plus de cases avec votre avion en un tour. C'est un boost. Et au-delà des mécaniques qui sont franchement pas très compliquées, je trouve qu'à chaque fois qu'on y joue, on passe quand même un bon moment. C'est pas forcément hautement stratégique, c'est pas très difficile. Je sais plus, c'est quand j'avais dit on joue une partie, ça dure 45 minutes, la partie elle a duré 2h30. Même moi je m'y attendais pas, mais... Ah non, mais on était nuls, en fait on faisait que mourir en boucle. Genre... En fait, pour moi, c'est pas très compliqué comme jeu. Et du coup, je trouve que c'est un très bon jeu détente. D'autant plus avec le matériel qui est très très agréable à manipuler, à observer. Le matériel est incroyable. Les avions, vous les montez vous-même et ils sont déjà peints, donc finalement c'est un peu des petites figurines déjà peintes pour vous. Comment dire, l'auteur et sa sœur, ils sont géniaux, ils sont incroyables, ils ont un dynamisme de fou. Bah, il en faut pour sortir un jeu de cette qualité-là avec... Parce que normalement ça, n'importe quel éditeur le ferait, il passerait dans une boutique, ce serait uniquement des petits jetons en carton ou en plastique, des tuiles qu'on assemblerait comme ça, et puis point barre. Non, vous avez vraiment tout votre plateau avec des petits aimants incrustés pour vous aider à placer le matériel, pour pas trop que ça bouge. Enfin, c'est vraiment étudié pour être bien fait, quoi. Ouais. C'est vraiment très qualitatif. Et alors, l'auteur et constructeur est un fou furieux, parce que quand il fait un jeu, il fait aussi l'extension. Donc en fait, si jamais un jour vous voulez l'extension, eh bien elle est prête, elle est dans son entrepôt, prête à être vendue, quoi. Il fait une extension par boîte de jeu qu'il a fait. Même si, bah... Bon, ça en termes de marketing, c'est peut-être un peu débile. Bah, il se tue peut-être à la tâche pour rien. Mais... oui, peut-être, mais du coup, au moins, il sait que tout le monde aura son extension, sauf si des gens achètent plusieurs extensions pour la spéculation, et là, dans ce cas-là, c'est très moche. Regardez ça. Regardez ça, c'est un goodies qu'on a reçu. Parce que du coup, après, quand on achète le jeu, on peut s'inscrire sur le site, et du coup, quand on donne l'adresse, eh ben, il envoie des goodies. Et du coup, on a reçu Papa Noël. Donc, même l'auteur, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, et il est en train de... vous l'avez probablement vu en convention, puisqu'il était à Cannes, il était à Ludinor. Il est à Ludinor, il est à Cannes. Il est en train d'éditer un... c'est pas encore prêt, ouais, c'est pas encore indiqué, mais il est en train d'éditer un nouveau jeu. Qui est plus à l'état de proto, mais un proto plutôt bien avancé quand même. Plutôt très abouti, il passe beaucoup sur les réseaux, ils n'étaient pas allés à le suivre, du coup... C'est pas Ludan Bois son nom, c'est Tooplanet. Ah oui, Tooplanet, ouais, son Instagram. Et du coup, le jeu, je sais plus le nom exact, Obabor, un truc comme ça. C'est avec un kraken. C'est un jeu de mots sur les pirates, effectivement. Et il a l'air incroyable aussi. Je sais pas si. Tu veux essayer d'aller voir non, ils ont pas le temps. Hein. Tu peux aller sur Instagram, du coup, peut-être. Oui, c'est vrai, je peux aller sur Instagram, je vais faire ça après. Voilà, tiens. Ah non, et juste, il est là très souvent. Dans des conventions où il a un peu plus la place, comme de l'enjeu dans le Nord, il apporte très souvent une grande version. Une version XXL. Ouais. C'est trop agréable de jouer avec ce truc. On l'a fait une fois, c'est génial. Voilà, il est là le jeu ici. Mm. Ouais, c'est ça, les petites conventions, il se permet de... Non, parce que je suis pas connectée. Ah, ouais. Et du coup, il... Mais c'est ça, c'est en petite convention, il se permet de ramener... Là, on voit tout en bas, en bleu, ouais. Non, mais je sais pas si ça marche. On voit bien le jeu, qui est quand même très avancé. On voit bien, il fait toute sa logistique lui-même, hein, vraiment, il fait tout lui-même. Ah, ça, c'était à Orléans-Joux. À Orléans, pardon. Orléans-Joux. Ah, Orléans, n'importe quoi. Mais voilà, du coup, ouais, Toute Voile Dehors, c'est ça, voilà, Toute Voile Dehors. Donc voilà... Il a une gueule, ce Kraken, ça me fait rire. Okay. J'ai compris, je m'en vais. Mais voilà, tout ça pour dire que, bon, on est peut-être... moi, je sais que j'adore cet auteur, j'adore sa gamme de jeux. Toute Voile Dehors sera acheté à Cannes. Je pense y a moyen qu'il le sorte pour Cannes. Ouais. Vu comment il a avancé et tout, là à mon avis, après je sais qu'il prend beaucoup le temps et il a raison. S'il bosse pas trop, c'est peut-être parce qu'il est en pleine phase de production du jeu. Parce que je crois qu'on l'avait vu à Lubina, il avait dit que le jeu était ok, tu vois, c'était dans la phase finale. Il le vend pas en boutique non plus. Ouais, il le vend qu'en convention. C'est que en convention. Ou en ligne. Sur ledanbois.fr, là tu peux commander. Non. Voilà. Il s'épargne un peu de logistique quand même. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas, surtout si vous avez l'argent, je sais que c'est un peu compliqué. Parce qu'il est quand même cher. Il faut dire ce qu'il est. Hein, c'est cher, c'est son prix, mais c'est cher. La qualité y est, pour moi, ça les vaut largement, mais il faut quand même le sortir, c'est pas évident. C'est pas parce qu'une voiture est très... on dit, ouais, c'est un bon prix pour une voiture, c'est quand même 10 000 balles. C'est le problème, c'est que, ok, c'est cher, mais ok, c'est le prix, mais il faut se... Faut se réserver son petit budget en allant en convention pour le voir et acheter le jeu, quoi. Et se dire, ok, j'ai de l'argent pour son jeu, à la limite. C'est ça. Pour Toute Voile Dehors, c'est ce qu'il faudra peut-être faire. Mais voilà. Au suivant, du coup, ouais. À moi toujours. Oui, à toi toujours. Le 38, pour moi... Est-ce qu'il y est, toi? Ah, je sais pas si tu l'as mis. Ah, je pense pas. Parce qu'on y a joué récemment et c'était avant de faire le top. C'était Magic Maze. Magic Maze, il y a toute une gamme dessus, mais nous on a celui dans le supermarché. Qui est tout petit. Oui, c'est celui-là. Oui, ça doit être celui-là. Oui, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Magic Maze, du coup, qui est un jeu purement de coopération à communication limitée. En fait, vous ne pouvez pas trop parler pendant que le chrono tourne. Il y a quelques occasions où vous pouvez parler, du coup, mais... Et le but du jeu, ça va être de déplacer les pions au travers d'un labyrinthe, de l'explorer, de trouver chaque objet pour chaque pion, et de sortir à chaque sortie de pions. Et le tout sans parler, et surtout, en fait, vos déplacements sont limités parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui peut faire un type de déplacement. Si vous êtes 4 par exemple, il y a un joueur qui pourra aller uniquement sur la gauche, un joueur qui pourra aller uniquement tout droit, un joueur qui pourra aller derrière et un joueur qui pourra aller à droite. Et peut-être un joueur qui aura un pouvoir, celui de révéler les tuiles, et un autre joueur qui aura le pouvoir d'activer des portails. Et du coup c'est un bordel, surtout qu'on ne peut pas parler. Ça se passe à plusieurs endroits en fait, le labyrinthe finalement il s'étend très vite, et puis surtout quand vous passez les premières étapes du tutoriel, pour info on n'a toujours pas dépassé le tutoriel, hein. Peut-être parce qu'on est nul, mais... Oui, j'ai fini le tutoriel avec... Ah tu l'as fini le tutoriel groupe, avec les caméras et tout? Ouais. Ah ouais. Ouais. Oh ouais, ouais, quand même. Ouais. Ça déconne zéro. Là, moi non. Pourtant je suis nul, hein. J'ai pas joué les caméras encore. Donc le labyrinthe s'étend très vite, il faut garder son attention sur plusieurs points différents. Il y a des arrêts, il faut être sur la même longueur d'onde. C'est ça, c'est trop dur. Et bah, fatalement il y a un moment où ton cerveau décroche, il est en full focus sur un pion et toute ton équipe t'attend sur l'autre pion, et ton seul élément de communication, en gros t'as un jeton où tu peux taper devant le joueur, pas sur le joueur, hein, devant le joueur, c'est important. Et tu peux taper devant le joueur pour lui indiquer que c'est à lui de jouer et qu'il doit faire quelque chose. Et j'aime beaucoup ce jeu pour la coopération qu'il apporte. J'aime beaucoup en fait toujours le contraste entre un moment de concentration où tout le monde ferme sa gueule et un moment d'euphorie à la fin qu'on ait raté ou réussi, où il y a beaucoup de cris, ça parle beaucoup. Et pour moi ça c'est ce que j'aime un peu dans l'ambiance en fait, c'est pas que ça crie en continu, c'est qu'il y a des phases de concentration et des phases d'euphorie qui sont juste derrière, et je trouve qu'il apporte ça super bien. Voilà, que dire de plus, le design pas grand chose, ça reste quand même relativement simpliste. Mais en termes de difficulté, faut pas se fier à la boîte 8 ans et plus. Vous donnez ça à des enfants de 8 ans et plus, je pense que ça se fracasse d'ici la fin, hein. Mais en termes de difficulté, il y a quand même un bon paquet de niveaux. Il y a plus d'une vingtaine de niveaux, je crois. 16, je crois. Attends. Que 16? Attends. Non. 17. 17. Non. Ah si si. Oh là là, incroyable. Tu vois. Ok, je pensais qu'il y en avait plus. Mais si vous allez au-delà du 17 déjà... Oh, et puis, après, si jamais vous vous ennuyez, sachez qu'il y a des extensions, quoi. Il y a des challenges supplémentaires au-delà de ça, mais vous pouvez cumuler plusieurs challenges en plus. Il y a 2 extensions. Donc... Il y a des tuiles en plus. Enfin voilà, donc si on s'ennuie... Voilà. Voilà, c'est des Magic Maze, n'hésitez pas. Ils coûtent combien en plus? Je ne sais plus. C'est même pas si cher que ça. Vraiment, ouais, c'est un peu plus. Il a un peu augmenté. Probablement ça, les 25 € les mieux investis de Bobby. Ça, c'était le prix quand il est sorti. Donc il a augmenté le prix un petit peu quand même. Comme tout. Et puis, c'est un éditeur que j'adore, Seedown. Oui. On n'en parle pas à cet éditeur. Je le fais aussi. Mais parce que Seedown, je trouve qu'ils sont forts. Qu'est-ce par là dans le sens où, à chaque fois, les jeux qu'ils font, Seedown, ils sont incroyables. Genre, ils sont ultra innovants. Il a fait des snowcats. Oui, il a fait de la aïe, aïe, aïe. Ah, il a fait fun fact. Oh, mais ouais, voilà, Seedown, je trouve que leurs jeux sont toujours ultra innovants, ultra novateurs. Quand je teste leur jeu, je me dis, j'ai pas ça dans ma ludo. À chaque fois. Presque à chaque fois. Mais en soi, Fairy Light, j'ai pas ça dans ma ludo. Dive. J'ai pas ça non plus. Enfin, bref, voilà, un bon éditeur. Oui, c'est très innovant. Un bon choix. Je suis d'accord. Est-ce qu'il sera dans mon top 50? Je ne sais même plus. Non, je crois pas, je pense pas. Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais je vais passer sur mon... Turbulence, c'est sûr qu'il y sera, mais... Oula. Bah, lui, par exemple, tu vois, il y sera pas. Dans le sien, non. Mythic Battle Panthéon. Biome. Sortez-les souvent. Alors, Mythic Battle Panthéon, c'est... une boîte de jeu ou un calfort? Je me fatigue. Déjà rien compris, il fait peur. Ok. Mythic Battle Panthéon, j'ai eu l'occasion de le tester une fois. Tu sais que là, mon banquier est en train de m'appeler, hein, pour me dire vous êtes dans le rouge. Hein. Tu veux qu'on en parle le Dambois là, Turbulence? Bon, c'est moins cher. Oui, mais parce que Mythic Battle Panthéon, il a aussi des figurines. C'est un jeu que j'ai testé une seule fois et que j'aimerais vraiment réessayer, mais il est introuvable. Genre, vraiment pour le trouver, c'est... Sur Ocaseo, il y a des prix, mais pas à 90 € sur Ocaseo. Hein. Normalement, il y a l'onglet occasion. Oui, aïe, 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 aïe. En fait, on ne se pas en neuf. On a un onglet acheté. Ouais, voilà. Oh, ça va. Mais oui, voilà. ça permet de se organiser. Après, là, il y a tout dedans. Il y a vraiment tout, genre tous les... le Endpledge, le machin. Il n'y aura pas d'image. Il y a les extensions. Tu peux trouver des photos si jamais tu regardes. Attends, ça. On va regarder. Peut-être trouver des images. Peut-être. Peut-être pas. Non, ça a l'air compliqué. Mais du coup, c'est un jeu d'affrontement, de paf paf boum boum, c'est les dieux, bah c'est dans le nom, hein, Mythic Battle Panthéon, Battle, Panthéon. Mythique. Mythique. Voilà. Bon, laisse tomber les photos, parle de ton jeu, donc, je vais m'en charger, parle de ton jeu. Ouais, j'arrive pas à faire de choses en même temps. L'idée, c'est que vous incarnez des dieux et vous allez devoir vous taper dessus. Du coup, il y a tout un plateau incroyable où vous allez placer vos figurines. Il y aura la gestion de vos pouvoirs, la gestion de cartes. Le matos, c'est incroyable. Bon, après, j'ai joué avec des figurines peintes parce que le mec en face avait peint ses figurines et du coup, c'était encore plus incroyable. Mais toujours est-il que vraiment, il y a toute une complexité autour du... De jouer les cartes au bon moment, de placer les figurines au bon endroit, de s'affronter comme... Waouh, c'est fou. C'est incroyable. Mais pourquoi je l'ai mis là? Parce que je suis une grande fan de figurines. J'adore ça, j'ai envie de peindre des figurines tout le temps. Faudrait que j'en peigne plus d'ailleurs. Mais ouais, en fait, j'aime bien le jeu. Waouh, c'est beau. J'en parle très mal, je sais pas. C'est beau. Je suis captivée par l'image. Ah, t'y as joué qu'une fois, t'aimerais un peu plus. Et en plus, ça fait longtemps, j'y ai joué en 2019, avant le Covid, c'est sûr. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais je sais qu'il m'a laissé un de ses souvenirs impérissables. Toi, tu n'as pas joué, pour l'instant, tu joues à Ryan's End. Pour l'instant, je me faisais déglinguer sur Ryan's End. Pour la première fois, donc. Sur le monstre le plus facile. Mais en fait, ouais, j'ai vraiment ce souvenir de jeu qui m'a ultra satisfaite quand j'y ai joué, que j'ai trouvé vraiment... J'aurais peut-être pas les amis pour le sortir parce qu'il est costaud, il est grand et tout. Il dure combien de temps une partie? 90 minutes. Bah, toi, t'as joué combien de temps à Yamzen? Ce soir-là, j'avais joué... Ouais, bah oui, quand on avait fini, vous aviez pas fini, oui, ça, donc, je vous rassure. J'ai mis 120 minutes, ouais, mais... 2 heures, mais... Et encore, ouais, je pense qu'on a même un peu plus. Bref, c'est une belle boîte de 4 kilos avec du contenu. Voilà, 4 kilos. Voilà, il y a tout ça dedans, tout va bien. C'est des scénarios. Par contre. Ouais. Pourquoi tu te suis? C'est à moi, c'est à toi, je ne sais plus. Je crois que c'est à toi encore, je te laisse poursuivre, je pense. Alors, je continue. Au top avec 37, mon ouais. Top 37. Un petit jeu, parce que bon, après avoir parlé d'un gros jeu, autant parler d'un petit jeu. Du coup, effectivement, ça n'a rien à voir. Ah oui, bah si, c'est que c'est des gros machins qui mangent des petits, genre les dieux ils mangent... Bref. Parlons de Draftosaurus. Draftosaurus, petit jeu d'ambiance... Ouais, quelqu'un d'ambiance... Ou enfin, non. Petit jeu de plateau tout à fait sympathique. Oui, non, mais je sais pas pourquoi mon cerveau il a dit ambiance... où vous allez du coup devoir tout simplement créer votre zoo animalier de dinosaures avec un petit peu d'aléatoire, de chance, de réussite. Vous allez piocher des dinosaures et vous allez devoir les faire une draft, c'est dans le nom. C'est un jeu très bien pour initier à la draft, effectivement comme ils disent, typique Ankama. Partez aux rivières et je sais plus. Corentin Lebrun? Non, si, Lebrun. Pourquoi j'ai dit Lebrun? Bah, parce qu'il est brun. Donc voilà, Antoine Boza, Ludovic Maublanc, bref, beaucoup de gens. Très coloré, comme tu dis, Zara, très sympa. L'idée, c'est vraiment, vous allez piocher des dinosaures, faire un draft, et ensuite vous allez devoir placer les dinosaures dans les différents enclos pour essayer de faire des points. Selon des conditions. Il y a par exemple un enclos, et bien vous n'avez le droit que de mettre des dinosaures de la même couleur. C'est l'enclos tout en haut à gauche. l'enclos juste en dessous, il faut juste 3 dinosaures et à la fin, si vous avez 3 dinosaures, ça vous fera 7 points. Sauf qu'il y a un petit twist, c'est qu'il y a un dé et vous allez chacun votre tour lancer le dé. Et ça va donner une condition que les autres vont devoir respecter, pas vous qui avez lancé le dé, parce que bah, voilà, vous avez lancé le dé, c'est tout. Donc les conditions, ça peut être, bah, vous n'avez pas le droit de placer un T-Rex, parce que les T-Rex, ils font plus de points. Il y en a un, c'est pas placé dans un enclos vide, et, enfin, où tu dois placer dans un enclos vide. Placé dans un enclos vide. Ouais, et ça, lui, il est infâme. Il est très difficile, parce qu'au bout d'un moment, on a tous les enclos, enfin, ça nous force un petit peu à... Justement, non, c'est ouais, placé dans un enclos. Oui, c'est dans un enclos vide, ouais, c'est ce qui est infâme, en fait. Ouais. Donc voilà, il y a placé que du côté de la forêt ou que du côté des cailloux, enfin voilà, il y a... Cailloux. Des cailloux, t'as des cailloux. Mais je suis d'accord que c'est un bon jeu pour initier à la draft. Et ouais, pour initier à la draft, pour les enfants, pour expliquer le principe, bah tu pioches tes dinosaures. Oui, oui, même pour... oui. Mais il est... Disons que quand tu mets les cartes sur la table, ça fait peur, alors que mettre des dinosaures, ça fait moins peur pour une première draft. Voilà, il est très sympa, il a 2 plateaux, donc, ce qui fait que vous pouvez faire de la rejouabilité, vous pouvez aussi enchaîner les 2 plateaux à la suite. C'est un mode de jeu bah, pour faire plus de points et se comparer. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit jeu sympathique. C'est vrai qu'il y a une phase, on va dire facile, et une phase plus difficile. Ouais, la phase sévère est quand même relativement... c'est plus complexe, c'est jouable encore, oh, oui, oui. C'est faisable. Et ils ont des extensions qui... on n'ajoute pas grand chose. c'est pas comme ça que je veux le dire, mais pareil, les extensions restent accessibles au public, disait en fait. C'est dans ce sens-là. Ça apporte un petit truc en plus qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire que moi, pour joueur, on va dire plus confirmé, bah, je m'en tiens à la version de base, je m'y plais tout à fait. Et je trouve que rajouter l'extension, en fait, c'est juste de la mise en place de matériel supplémentaire, du rangement à la fin. Ouais. J'ai pas tellement envie pour ce que ça apporte. Voilà. Très bien. Draftosaurus. À mon tour. On a bientôt fini. C'est le 37, c'est ça? Ouais. C'est le 37. Le 37, c'est Anamikoji. Tu es dans... Ouais. On est d'accord. Trop facile, mais vraiment trop facile. Non. Je pourrais te faire ton top 50 à toi, je suis sûr. Non, il n'y aurait pas Hydroni, c'est sûr. Bien évidemment. Oh là là, calme-toi. Anamikoji, un petit jeu de Yellow, Minigame Yellow par Cosmos et Kota Nakayama. Ok, je ne connais pas. T'as fait quoi? Anamikoji. Anamikoji. Jinxia Academy. Ok, pardon. Bon. Anamikoji, du coup, c'est un jeu de cartes, ça se joue uniquement en 1v1. Et basiquement, c'est un jeu de majorité, vous allez devoir placer des cartes avec des chiffres là, donner des objets de votre côté pour essayer de récupérer les geishas dans votre salon de thé. En gros. Ça paraît tout simple dit comme ça. En gros, vous allez avoir des cartes avec des chiffres, vous allez les mettre de votre côté, face visible, je crois. Il y en a qui sont face cachée, je crois. Il y en a, on peut en placer quelques-unes face cachée. Si tu peux en réserver, tu en réserves de ton côté. Oui, parce que sinon, forcément, un 3 va en face d'un 3. Donc oui, non, voilà. Tu les mets, oui, c'est... Et si vous en avez plus que votre adversaire, à chaque fois les nombres sont impairs. Non, ça peut être pair quand même. Pour 4 notamment, en fait. Si vous avez plus de cartes de votre côté que celui de l'adversaire, vous récupérez le jeton. Et si vous avez la majorité des geishas, 4 sur 7 au moins, et bah du coup vous remportez la partie. Ou 3 côte à côte. Ou 3 côte à côte. 3 côte à côte. Il y a eu 3 côte à côte. Il y a 3 côte à côte. Je suis pas sûr de ça. Si. Non, c'est à la fin de la partie, éventuellement s'il n'y a aucun personne qui s'est décidé, je crois qu'il y a il y a quelque chose pour départager, j'ai plus trop en tête. Oula, il y a une chose là. Mais pour moi non. Pour moi je crois pas. Moi c'est très long. Il me semble, effectivement il y a peut-être une condition de victoire mais je crois que c'est pour la fin seulement. Bref, qu'est-ce que j'aime bien dans ce jeu? Déjà il est magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est flou mais c'est beau. C'est flou mais c'est beau. Pourquoi il a mis le jeton sur sa tête là? Parce qu'il a gagné la manche. Et qu'est-ce qui est incroyable dans le jeu, surtout, c'est les mécaniques. En fait, ça fait partie de ce genre de jeu où vous avez des cartes dans la main Et ces cartes qui sont dans votre main, en fait, elles ne... vous les piochez dès le début. Et les cartes que vous avez dans la main, la plupart du temps, elles ne seront pas pour vous, elles seront pour votre adversaire. Parce que les cartes, vous pouvez ne les jouer qu'avec ces petits jetons. Là, vous avez 4 jetons de chaque côté. Et en fait, c'est 4 actions que vous devez réaliser dans votre manche. Et par exemple, l'action ici, la deuxième action, là, qui est au milieu, c'est vous prenez 4 cartes dans votre paquet. Vous en faites 2 paquets de 2. Et votre adversaire choisit un paquet, et vous prenez celui qui reste. Vous avez aussi 3 cartes ici, vous avez pareil, 3 cartes de votre paquet, votre adversaire prend une des 3 cartes, et vous prenez les 2 restantes. Et ce genre de mécanique, en fait, c'est excellent, c'est très frustrant, parce que il faut essayer de deviner un peu ce que veut son adversaire, essayer de l'orienter dans des choix, essayer de le biaiser, et c'est très fatigant. J'avais pas de blague. Quoi? Non, j'en fais pas. D'accord. On est sur Twitch? Oui. Du coup, il est vraiment très fatigant à jouer, mais il est beau, il est vraiment satisfaisant. Enfin, vraiment, c'est un des jeux. Et comparé, par exemple, un qui a la même mécanique, c'est... It's a Wonderful Kingdom. Ouais, It's a Wonderful Kingdom, qui est vraiment dans le même genre, non, mais beaucoup plus complexe, peut-être trop complexe, et dans le même genre, Tuissimussi, qui est beaucoup pas complexe du tout, et du coup on perd un peu la profondeur, je trouve, du fait de Tuissimussi, du fait que les manches soient très très courtes, du fait qu'il n'y ait pas tellement de choix en fait, du fait qu'il n'y ait pas tellement d'occasions de scorer. Dans celui-ci, en fait, c'est beaucoup plus simple, et franchement, du coup, ça apporte beaucoup plus de complexité, je trouve. Tout à fait. Bien d'accord avec toi. Voilà. C'est un Amikoji, c'est un minigame yellow, il coûte pas cher, franchement foncé, c'est un jeu parfait pour jouer dans le train en plus. Ouais. Donc n'hésitez pas. Très bien. C'est encore à moi? Oui, c'est encore à toi. C'est le dernier? C'est le dernier pour aujourd'hui, ouais. Top 36 du coup. Mon top 36 c'est Solenia. Qui est dans ton top à toi aussi? Je ne voyais pas aussi bas dans le tien, je le voyais plus haut pour toi. Ouais, c'est ça, essaie de changer de sujet. Ouais. Solinia, du coup, c'est un jeu de... J'ai déjà oublié par contre. Ah, je ne les connais pas trop. Oui, bah, on ne va plus les connaître parce qu'ils ont fait... Ah oui, c'est ceux qui, sont morts. Ouais, non, ils sont pas morts. Ah, ils ont été tués par Asmodée. Je crois que c'est ça. Alors, tués par Asmodée, non, il ne faut pas le dire comme ça. Ils ont été achetés par Asmodée et Asmodée a décidé de ne plus leur donner d'argent parce que oui, le studio... Oui, non mais... Bref, parlons du jeu plutôt, je vais pas m'énerver. Il faut pas mal parler, tu vois. Solinia, du coup, c'est un jeu de stratégie, de gestion de ressources, comme on en connaît beaucoup, mais peut-être on a un peu mieux que les autres, où il va falloir récupérer des ressources sur le plateau pour pouvoir les délivrer aux villes voisines et ainsi réaliser des missions et gagner des points. La particularité, du coup, c'est que ça se décante un peu en 2 manches qui sont un peu continues. Vous avez une phase de nuit, une phase de jour, et en gros, les matériaux que vous allez récupérer durant la phase de nuit, ils vont vous servir pour faire les missions de la phase de jour et inversement. Le problème, c'est qu'on est on a notre propre bateau avec nos propres ressources, nos propres cargos, en fait, notre propre stockage qui n'est pas illimité. Et donc, il va falloir bien gérer ces ressources en entrée limitée pour réaliser les missions. Il y a certaines missions qui vous demandent au moins 5 ressources ou 6, je sais plus, alors que votre cargo ne peut contenir au maximum que 8. Et encore, si vous jouez avec une phase plus difficile, c'est 6. Donc, c'est pas simple. Que dire de plus? En fait, le système est assez intéressant. Chacun possède un deck de cartes troué. Tout le monde possède les mêmes cartes, en fait, mais pas nécessairement dans le même ordre. Et ça va vous aider pour déterminer le nombre de ressources que vous récupérez. Mais aussi les ressources que vous allez récupérer plus tard, parce que le dirigeable va avancer sur la piste. Et donc, les parties du plateau qui sont à l'arrière vont passer à l'avant en les retournant. Et c'est toujours un peu la même chose que j'aime bien dans ce genre de jeu. Déjà, c'est de la stratégie, moi ça me plaît, je suis un peu moins ambiance. Mais surtout, c'est innovant. J'ai pas vu d'autres jeux qui fait ça, j'ai pas trop souvenir. Non, clairement, mais c'est dommage que Palgame ait coulé malheureusement parce qu'ils étaient très forts pour faire des jeux pourra regarder après les autres options faites. Mais... C'est un jeu où il y a un peu d'aléatoire dans les cartes, mais vraiment, si vous maîtrisez bien, vous pouvez gagner à 100%. Mmh. Je sais que j'ai beaucoup gagné. Mais c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas dire j'ai pas eu la bonne carte parce que toutes les cartes vont tomber dans tous les cartes. Le deck sera dans tous les cas. C'est beau avec la lumière. Ouais, c'est trop beau. C'est beaucoup mieux que les côtés ma venue. C'est joli. C'est vraiment sympa. Chaque joueur possède 3 cartes dans les mains. Une fois qu'il en utilise une, il en repioche une, et ce jusqu'à épuisement du paquet. Voilà, en fait, j'aime bien le jeu. C'est très innovant, c'est joli, la boîte est belle aussi. C'est un des rares jeux on a observé qui écrit son nom sur la tranche en verticale avec lettre par lettre. Ce qui est cool, je trouve. Là, on le verra pas bien parce que l'image est petite, mais c'est du détail, c'est débile, mais pour moi, c'est bien comme ça. Ouais. Et voilà, c'est propre, j'aime bien. J'ai rien d'autre à dire. Tu n'as rien d'autre à dire. J'ai déjà beaucoup parlé en même temps. N'hésitez pas, il coûte un peu plus cher celui-là, mais dans une bonne moyenne. Hein. Mais surtout, ça va être dur de le trouver maintenant, puisque du coup, il est mort. Je pense qu'il est plus édité. Hein. Solenia était déjà difficilement trouvé. Si, alors parce que Asmodée a dit qu'ils allaient continuer à vendre des jeux club game quand même. D'accord. Alors, ils ont trouvé un accord. Ils vont refaire le truc à leur sauce, à mon avis, ça va dépérir. Mais... Ça fait un petit moment hein, déjà, donc je sais pas quels sont les accords. Je sais que d'ailleurs, le gérant de la boîte de Pergame est dans le nord, parce qu'il allait, allait voir les boutiques que j'aime bien, en mode je suis pas bien. En même temps, ça peut se comprendre. Mais de ce que des retours que j'ai eu, ils vont essayer de trouver un arrangement Asmodée Pergame pour que les jeux continuent à être distribués par Asmodée. Même si la boîte n'existe plus, les jeux seront toujours distribués. Mm. Et du coup, c'est Asmodée qui va récupérer l'argent, puisque Pergame n'existera plus, quoi. Mais voilà. Forcément. Ok. Voilà, voilà. Et ton dernier à toi? Et mon dernier, mon top 36. C'est, si je tapais, The Crew. The Crew, petit jeu de coopération, de pli, très sympathique. À mes yeux, l'un des meilleurs jeux pour initier au jeu de pli. C'est Yellow aussi, hein? C'est Yellow, tout à fait. Donc le but de The Crew, si jamais vous ne connaissez pas, ça va être un jeu de communication restreinte où vous allez, un joueur va par exemple devoir faire le pli avec récupérer dans son pli le 7 rose, et pour ça il devrait essayer de tout mettre en œuvre, que ce soit jouer le 9 rose pour que le joueur qui a le 7 rose le joue, ou alors jouer le 7 rose et que les gens lui laissent faire le pli. Et donc du coup il y a 4 couleurs, il y a de l'atout. Communication limitée aussi. Communication limitée, communication restreinte, effectivement. Les atouts vont de 1 à 4. Et du coup, la communication, il n'y a pas le droit de parler, tout simplement. Mais vous pouvez, par exemple, grâce aux petits jetons qui sont juste ici, là, une fois par manche, par objectif, dire, bah écoutez, moi, par exemple, je sais pas, dans la main du joueur, là, comment dire, le 4 bleu, c'est ma plus petite carte. Avec le champ. Ou alors c'est la seule. Ou alors, ici on n'a pas d'exemple, mais dire effectivement c'est la seule de ma couleur. Parce que, là, voilà. Par exemple, le 9 c'est la plus grande de sa couleur. Voilà, c'est ça, on peut dire c'est la plus grande de la couleur, c'est la plus petite de la couleur, ou c'est la seule de la couleur. En plaçant le jeton en haut, en bas ou au milieu si jamais c'est la seule. Et du coup, grâce à ces informations-là, on va essayer de se dire « Ah là là, il doit faire le pli, tel pli, mais tel joueur a cette carte-là. » Ce qui fait qu'on va essayer de s'adapter autour de ça. Ce jeu, il est bien. C'est un peu les mêmes arguments que Magic Maze, même si ça n'a rien à voir, parce qu'il a 50 missions. Donc de la rejouabilité et des missions qui vont vraiment faire une... Il n'est pas cher aussi, petite, hein, pour le contenu. Oui, c'est ça. Vous avez vraiment des heures et des heures de jeu pour 15 balles. Hein. Et vraiment, franchement, des heures et encore. Des heures, des dizaines ou des centaines plutôt, ouais. Et la difficulté est vraiment croissante. Elle augmente vraiment au début. Un joueur doit faire un pli, ça va. Deuxième mission, c'est 2 joueurs différents doivent faire chacun un pli, ça va. Quand vous approchez des missions 10, 20, 30, il va y avoir, il faut d'abord le premier pli remporté doit être le 9 rose par tel joueur, le deuxième pli doit forcément être celui-là, et celui-ci doit forcément être en dernier. Chacun doit faire autant de plis, c'est le commandant qui choisit une mission pour ça, tout le monde. Il y a des petits plots, il faut faire les plis avec tous les 1 par exemple. Aucun œuf ne doit remporter un pli, enfin, c'est très varié. C'est ça, il y a vraiment de tout et franchement je pense que je suis arrivée max 35. On n'a pas fini encore. Hein, on n'a pas fini. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu, il y a Mission Sous-Marine qui est sortie pour le compléter et pour le coup ça m'a l'air un peu plus... casse-gueule avec des guillemets. Dans le sens où... Oh ouais. Non mais en fait le problème c'est que les missions qui arrivent sont... Il faut compter quoi. Voilà c'est ça, et surtout il y a des missions qui ne vont pas être compatibles forcément entre elles. Mm. Parce que du coup c'est vraiment des objectifs très précis, c'est pas genre remporter tel pli, c'est vraiment un joueur doit faire 3 plis, un joueur doit faire tous les plis avec les 6, donc on retrouve les idées des missions de deux cours originales qui étaient un petit peu innovantes, mais en fait en les mélangeant toutes, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus... Enfin, c'est pas casse-gueule, le bon mot c'est plus chaotique en fait, que j'aurais dû dire. Dans le sens où bah, quand tu mélanges tout, il faut vraiment tout compter, il faut vraiment tout anticiper, et je sais pas, il me donne moins envie parce qu'il sera beaucoup plus difficile. Ouais, il est plus difficile à sortir pour pas tellement grand chose en plus. Ouais, c'est ça. Donc, déjà finir The Crew normal. Hein. En plus, il y avait une chronique au moment où il était nommé à l'As d'Or parce qu'il avait été nommé dans la catégorie expert. Il est nommé expert. Il n'y avait pas initié encore à l'époque. Bizarrement, initié arrivé. Il est arrivé juste après. Oh, pas de science. Et ça avait foutu un bordel. Bah, parce que... Le problème, c'est que quand on regarde effectivement les jeux experts 2021. Je sais que Yellow avait fait une gamme expert en plus. Oui. Après aussi ou non, avant. Non, avant parce que très justement, Yellow pas. Expert, le dilemme du roi, est nommé la même année que The Crew expert. Et les deux sont nommés experts, mais Dilemme du Roi était déjà en gamme expert. Donc bien joué Yellow pour avoir deux jeux experts. Bravo. Mais surtout les deux, tu mets les deux côte à côte, effectivement il y en a un il fait un peu paléo en expert. Bah en fait le problème c'est ça, c'est qu'il y a le Dilemme du Roi, paléo et Tainted Grail contre The Crew et The Crew a gagné. Bon bah oui il mérite d'avoir gagné. Il a gagné aussi. Oui ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il mérite d'avoir gagné. Mais il aurait mérité de gagner à la place de top 10 en jeu de l'année. Année point barre tout jeu, juste jeu de l'année. Pardon, à la place de micro macro. Pardon. Micro macro qui gagne le jeu de l'année. Pour moi, de coup, à la place de micro macro nommé en jeu de l'année, c'est très bien. En fait, beaucoup de gens avaient dit... Et on enlève Ghost Adventure qui est déjà oublié. Pardon. Mais c'est pour les enfants. Ah non, c'est pour les adultes. Et Ghost Adventure qui rappelle la toupie compatible avec ce jeu-là. Ah Tu vois, Et pourtant, je veux le virer le temps, je veux... Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, c'est expert parce qu'il y a des missions qui sont difficiles. Et pour moi, ça amène tout un débat qui est intéressant quand même, hein, mais ça amène tout un débat autour de la difficulté. Mais... C'est ok, tu as des missions qui sont très difficiles. Mais les règles, elles sont pas compliquées. Et effectivement, je pense que des joueurs purement casu n'arriveront jamais à faire les missions difficiles, comme nous de toute façon, et nous on n'est pas des joueurs casu. Mais en fait, c'est pas le but, et en plus de ça, le jeu il nous prend par la main. Le jeu il nous apprend à jouer petit à petit, il nous fait mission 1, elle est passée. C'est vrai. Il y a cette échelle de progression qui pour moi ça mérite d'être en jeu de l'année parce que. Je reviens sur le débat genre 2 ans plus tard. Hein. Mais... 2 ans plus tard, je suis pas d'accord. mais du coup, bah, toujours est-il que vu que ça te prend par la main et que ça te fait progresser petit à petit, alors moi, les gens, il y a le grand débat de je dis, moi je jouerais avec mes parents à The Crew. Les gens disent, ah, moi je jouerais pas avec mes parents avec The Crew. Bah, dans ce cas, tu ne joues pas au tarot avec tes parents, tu joues pas avec des jeux de plis. La belote et le tarot, pour moi, c'est des jeux qui parlent à nos parents, c'est des jeux de plis et c'est des jeux qu'on peut expliquer facilement à nos parents, donc ils connaissent, ils ont des références et beaucoup. Tu dis, c'est une sorte de tarot ou de belote à tes parents en coop. Ça passe à peu près, je pense que... Bah on a fait ça avec tes parents, et c'est passé à peu près. On n'a pas essayé avec les miens encore, hein, mais bon. Mais bon, du coup je reviens sur le débat 2 ans après. Je voudrais voir selon quels sont les critères pour nommer des jeux et comment ils choisissent les gagnants. Eh bien écoute Isara, je pense qu'on va garder ta question dans notre inventaire et on va en parler probablement sur les coups de janvier ou février 2024. Parce que c'est une grande question et, et encore une fois, pareil, hein, l'idée n'est pas de taper sur ceux qui nominent les jeux, parce que beaucoup le font et ce sont des cons. Non, non, mais en fait, ceux qui choisissent de nommer les jeux, ils font un travail formidable. Et ça est beaucoup revenu cette question cette année parce qu'il y a eu Marie Grandjeu dans le jury, influenceuse Instagram, qui du coup, elle est influenceuse, donc du coup c'est elle qui se fait taper dessus, contrairement aux autres du jury. Et elle est beaucoup revenue dessus, comme expliqué, et pendant une semaine non-stop, ils sont tous les jurys dans une pièce et ils jouent. Et c'est du ressenti dans cette semaine-là, surtout ils viennent avec leur pile de jeu, ils disent bah moi je veux le jeu là, est-ce que vous êtes d'accord? Ils y jouent, ils disent bah oui, non, pourquoi, ils débattent, et c'est un top à un instant T. Et comme elle dit, s'il change un mec du jury, le top il va changer, l'Asdor va changer parce que bah, chacun donne du pour et des contre, donc bah oui, c'est ce qui fait qu'il y a un mec qui a dû dire bah The Crew c'est dur, et ils se sont mis d'accord. Peut-être que dans le jury de 2021, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, mais bah, à un moment il faut faire des choix, il faut prendre des décisions, c'est pas toujours facile, et tu te dis bah oui c'est difficile, ok. On s'était dit aussi, c'était peut-être pour l'année du Covid, et du coup, il n'y a eu pas trop de jeux qui sont sortis, mais en vrai, il y en a pas mal qui sont sortis, c'est pas un argument. Il y en a, je sais plus c'est quoi en 2021, mais je sais que j'en ai vu, Solenia. Ah non, Solenia, il a gagné. C'était Itson Wonderful World. Ouais, il y avait Itson Wonderful World qui est sorti cette année-là. C'est du ressenti, mais c'est aussi du débat, de l'argumentation, de ce que Marie Grandjeu a dit. Grand, je vais tuer, c'est GRD parce que c'est même pas pour grand, c'est pour son nom de famille. Mais tout le monde dit grand. La pauvre. Elle fait des mèmes dessus en mode. Parce qu'elle a reçu un collègue. Ah non, pardon, il y avait juste une limite. Oui, dans l'histoire d'enfant, on a perdu contre les Arcana, si on peut. Pardon. Non, on y reviendra plus tard. Mais c'est à la fois du ressenti et à la fois de la discussion, du débat, du bah oui mais, tu vois, genre pourquoi, et ils en discutent, c'est pas que le ressenti, il va y avoir un argumentaire là-dessus, mais c'est super compliqué, et oui, ils ont dû se dire bah oui c'est difficile, donc oui on le met en expert, et derrière, l'année d'après, ils ont bien vu qu'ils ont fait une bêtise, ils ont créé initié parce que bah... les gens étaient trop clivés de ah, c'est entre le expert et le jeu de l'année, voilà. Et du coup, t'aimes bien The Crew. Ouais. Mais en jeu de l'année, pas en jeu expert. Très bien. Tout ça pour ça. Et là, ça marche. Bon. La meuf, elle ressort des débats de vieux de 2 ans. Clairement, comme ça. C'est un peu énervé. Y'a rien qui va. Mais. Parlons plutôt de Matago, au moins c'est actuel. Mais du coup, ouais, on pourra reparler on parlera de Cannes 2024 quand il y aura les nommés de... Je pense que le sujet reviendra encore sur la table de toute façon, donc ce sera l'occasion d'en parler. Oui, clairement. On parlera des nommés, on parlera de nos pronostics. Ce sera rigolo et voilà. Non mais... Ouais, non mais je trouve que c'est pas trop mal qu'ils ont fait avec Unicier quand même. Oui, c'est bien. C'est bien. Une bonne chose. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter de ton côté? Moi pour l'instant c'est tout. J'aime beaucoup The Crew. Bon, on en parlait, peut-être qu'on en reparlera plus tard si je l'ai dans la liste, je ne sais pas. Mais... Très probablement. Toi aussi, hein, tu vas aller. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que on a encore fait un live de 3 heures. Bah voilà. Ouais, comme quoi on s'arrête pas. On a parlé de l'Asdor là. Mais j'espère que ça vous a plu. On est hyper cool à cette journée. Ah ouais? Ouais, franchement, il y a eu un moment où. Peut-être la connexion qui a du mal. Hein. J'ai entendu quelqu'un taper dans les murs, autant il a frappé un câble réseau. Mais du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve. Ça m'a plu. Merci. On se retrouve du coup vendredi prochain. Je sais que c'est un horaire à la con parce que les gens ils travaillent le vendredi. Mais on n'est pas là dimanche, donc voilà, j'espère que. Je sais pas ce que j'espère, mais j'espère. Je pense que je n'espère rien parce qu'effectivement, vendredi matin, il n'y aura pas grand monde, mais bon. Si, j'ai confiance en Isa. Ça peut-être le décaler le soir, le cheval, je sais dimanche pas. Soir. Ah non, pas le. Non, pas dimanche soir, on va vendredi. Ah, vendredi soir, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas à dispo. Elle sera là. On fera peut-être entre midi et deux. Oh, je sais pas, on verra. Ah, c'est pas bête vendredi entre midi et deux. Bah, on réfléchit. C'est un peu chaud. Il y aura de toute façon l'horaire sur Instagram. Je mettrai le lien comme d'habitude sur ma Ludo et il y a la notif pour les gens qui sont qui en follow. Donc voilà, ça va. Et bien écoutez. Bah, merci à vous d'avoir suivi le live. Ouais, ça fait plaisir. Isara, c'est merci de... tous ceux qui n'ont merci pas de votre fidélité, en particulier Isara, ça fait très plaisir. Et ça nous aide à progresser aussi. Ouais, c'est vrai, j'aime bien les conseils. Et, on se retrouvera pour la semaine prochaine. Une prochaine semaine de jeu. Beaucoup de sorties, ouais, il va falloir être en forme. Ouais, clairement. Bon allez, bon appétit à tous. Ciao, ciao. Bonne journée.